Donc, bonjour à tous. Donc, moi, je suis Pierre Lep. Je suis ingénieur et animateur du Crunch Lab. Donc, mon rôle principal, c'est de former et d'accompagner les gens dans l'utilisation des équipements du Fab Lab et de les assister dans le développement de leur projet, de l'idée jusqu'à la réalisation. Donc, sur cette diapo, vous avez un peu le mode de fonctionnement classique au Crunch Lab. Donc, dans un premier temps, il y a la phase d'idéation, c'est-à-dire que on va réfléchir ensemble sur votre idée, quel que soit son niveau d'avancement, hein. On a des gens qui viennent en nous disant « je sais exactement ce que je veux, comment je le veux », et là, on passe très vite aux étapes suivantes. Il y en a qui viennent en me disant, je sais ce que je veux, mais je ne sais pas comment procéder. Du coup, il y a une partie de conseil technique pour voir quelle techno serait la mieux adaptée. Et on a aussi des gens qui viennent nous voir en me disant, je n'ai pas d'idée spécifiquement, mais tous les matins, quand je me lève, il y a tel sujet qui me pose problème. Et donc, il faudrait qu'on trouve une solution. Donc, on a au sein du Crunch Lab aussi les compétences, notamment via l'une de mes collègues, pour vous assister dans les phases de recherche d'idées, de créativité. Et donc ensuite, une fois qu'on a trouvé une idée qui vous semble pertinente, on poursuit le processus. Donc en faisant de la modélisation et de la conception sur les logiciels qu'on met à votre disposition. Une première étape de matérialisation. Ensuite, vous voyez là, on a une phase d'usage, donc on teste notre premier proto qui peut être très très basique. Et en fonction du retour qu'on a sur l'usage, on repart sur une phase d'idéation, une phase de modélisation de coworking, une phase de matérialisation et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment une démarche itérative, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire un proto très compliqué dès le départ. L'idée, c'est qu'à chaque tour de roue, on gagne en complexité et en qualité de réponse aux besoins. Hop. Donc pour ce qui nous occupe aujourd'hui, je vais vous présenter, je vais survoler, disons, les technologies d'impression 3D. Faut savoir que c'est un secteur qui bouge beaucoup. Donc, ce qui a dans ma présentation à l'heure actuelle sera plus forcément vrai dans les mois qui viennent. C'est un domaine qui a tendance à beaucoup se développer. Donc, déjà un petit historique. Donc, même s'il y a eu un boom dans les années 2000 de l'impression 3D, en fait, c'est quelque chose qui trotte dans la tête des chercheurs depuis un certain temps déjà. On a des traces d'un premier rapport concernant le principe d'une machine de prototypage rapide dans le début des années 80. Ensuite, en 84, il y a Charles Hull qui dépose un premier brevet concernant l'impression 3D. Donc, contrairement à ce qui viendrait naturellement, ce n'est pas sur du dépôt de fil, mais sur de la stéréolithographie. Donc, on reviendra sur cette techno spécifiquement. Et il crée 3 ans plus tard une entreprise, 3D Systems, et il commercialise sa première imprimante 3D en 87. Donc voilà, ça fait 40 ans qu'on peut acheter une imprimante 3D. En 89, Scott Crumb développe un procédé donc par dépôt de fil, donc les imprimantes 3D que vous voyez un peu partout maintenant. Et il crée une autre entreprise qui est un peu une référence, Stratasys. Ce qui a contribué au fort développement de l'impression 3D, c'est à partir de 2005, l'apparition de premières imprimantes 3D personnelles avec un mouvement open source, donc c'est-à-dire une mise à disposition des plans et une facilitation de manière à ce que les gens puissent réaliser les imprimantes chez eux avec peu de moyens et avec des plans mis à disposition gratuitement. Et donc sous le modèle RepRap. D'ailleurs, la photo que vous voyez sur le côté, c'est une des toutes premières RepRap qui est sortie. C'est le modèle Darwin.
Donc, il y a eu déjà pas mal d'évolutions depuis, mais ça vous donne une idée de ce que pouvaient représenter les premières imprimantes 3D personnelles faites chez soi. Ces technologies ont amené aussi d'autres activités. Donc, en 2007, il y a un site qui s'appelle Shapeways qui a ouvert et qui permettait aux gens d'imprimer en 3D à la demande. Donc, vous leur envoyez vos fichiers et puis vous renvoyez votre pièce. Et en 2009, donc, création de MakerBot, qui est le premier fabricant d'imprimantes 3D personnelles. Donc là, on parle bien d'imprimantes 3D plug and play, c'est-à-dire qu'on sort du carton et qu'on branche pour être utilisé directement. Donc, plus sur des imprimantes en kit comme ça pouvait être le cas pour la RepRap. Donc, pour l'impression 3D, donc j'aime bien me rattacher à une définition un peu officielle. Donc là, c'est la définition qui a été définie, qui a été présentée pardon, par ISO, donc l'organisme qui fait les certifications ISO 9001, 14001 et autres, et qui concerne donc la fabrication additive. Le terme de fabrication additive est le terme général utilisé pour les technologies qui, sur la base d'une représentation géométrique, créent des objets physiques par ajout successif de matériaux. Ici, on le place surtout en opposition à la fabrication soustractive. Donc, quand vous faites du fraisage à commande numérique, par exemple, vous allez retirer de la matière, alors que pour de la fabrication additive, on va rajouter de la matière pour réaliser l'objet. Ils sont utilisés dans des domaines très divers et applications d'ingénierie industrielle, ainsi que dans d'autres secteurs de la société comme la médecine, l'éducation, l'architecture, la cartographie, les jouets et le divertissement. Donc, la fabrication additive, l'impression 3D, a vraiment des usages très divers. Donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir réaliser des pièces personnalisées. Donc, on n'est pas sur des principes de grande série. Hein. L'idée, c'est de faire des protos, des pièces en toute petite série ou des pièces spécialisées, du design, faire des pièces pour se représenter un volume, par exemple. Donc, on est vraiment dans cette logique-là. L'impression 3D à but de production en grande série, à l'heure actuelle, n'est pas vraiment développée. Les autres technologies qui ont été développées pour les grandes séries marchent beaucoup mieux. Donc, faut vraiment garder à l'esprit que la fabrication additive, c'est vraiment quand j'ai besoin d'une pièce ou de quelques pièces, même pour les tester, voire envisager une pré-série, mais pas pour faire de la production en grande série. Donc ensuite, dans ce domaine général de la fabrication additive, on les a classés dans différentes technologies. Donc vous avez en premier l'extrusion de matière. Donc ça, c'est les imprimantes que vous connaissez le plus certainement. Donc les imprimantes notamment par dépôt de fil, j'y reviendrai. Donc là, l'idée, c'est de prendre un matériau, puis de le fondre, de le rendre malléable, et de le distribuer de manière sélective à l'aide d'une buse ou d'un orifice. On a aussi de la polymérisation en cuve, donc là notamment la stéréolithographie dont je parlais tout à l'heure. Donc là, on prend un photopolymère liquide, notamment de la résine, et on va le durcir de manière sélective à l'aide de lumière, d'un laser ou autre. La fusion sur lit de poudre, là on utilise de l'énergie pour faire fondre une matière de manière sélective toujours, mais sur la base d'un lit de poudre, contrairement à la polymérisation où on est sur de la matière liquide. Encore une autre technologie, c'est la projection de matière. Donc là, plutôt que de travailler sur un bac rempli de poudre ou de liquide, on va projeter de la matière directement pour réaliser la pièce. Un corollaire, c'est de la projection de liant. Là, plutôt que de projeter directement de la matière, on va envoyer un agent de liaison liquide pour assembler des matériaux poudreux.
On a aussi de l'impression par stratification de couches. Là, plutôt que de déposer de la matière, de créer une couche, de monter d'un cran, de déposer de la matière et ainsi de suite, là, on va découper les couches et on va les superposer les unes sur les autres. Et enfin, il y a un procédé vraiment orienté à industriel qui est le dépôt de matière sous énergie concentrée. Là, en fait, on envoie simultanément de l'énergie thermique et de la poudre de matériaux pour la fondre et la déposer de manière sélective et ainsi construire la couche concernée. Donc, faut savoir que les technologies que je vous ai présentées peuvent concerner un grand nombre de matériaux. En fait, vous prenez chacune des technologies que je viens de vous présenter. Si vous arrivez à prendre un matériau, à le manipuler, à le faire fondre pour qu'il puisse être déposé et le solidifier rapidement, vous pouvez l'imprimer en 3D. Donc là, vous avez un tableau qui reprend les technologies qui sont utilisées pour les principaux matériaux, céramique, métal, plastique, cire, sable ou papier. Mais il existe des imprimantes 3D sucre cuit ou chocolat pour l'alimentaire. Il y a des imprimantes 3D pour des matières biologiques, notamment pour recréer des tissus. Et j'ai même vu dans mes recherches une imprimante 3D en cours de développement pour reproduire des organes. Donc là, l'idée, c'est de prendre une structure biologique et de déposer, alors je n'ai pas le bon terme, mais disons une sorte de bouillon de culture fait à partir de vos propres cellules et de recréer comme ça avec l'imprimante un organe qu'on va pouvoir vous greffer. Leur ambition derrière tout ça, ce serait de pouvoir recréer votre propre organe et éviter toutes les questions liées à la greffe. Voilà, je reviens de ma digression, mais il faut bien se dire que ces technologies-là peuvent être déportées, réutilisées dans plein de matériaux, dans plein de matériaux différents. Hop. Donc, alors ça, c'est une imprimante 3D par dépôt de fil. Vous en trouverez un certain nombre au Crunch Lab. Donc là, vous avez un schéma de principe sur le côté. On part d'une bobine de filament qui va être amenée jusqu'à une buse qui se déplace sur un plan et qui va permettre de chauffer le fil. Le fil fondu va être déposé par la buse. La tête va se déplacer pour créer une première couche. Puis ensuite, on va monter d'un cran. Donc, soit c'est le plateau qui se déplace, soit c'est la tête. Et on va monter la couche supérieure, ainsi de suite. Là, sur le schéma que vous voyez, c'est une imprimante cartésienne. Donc, on se déplace en XY sur un plateau carré. Vous trouverez aussi des imprimantes à dépôt de fil dites en delta. Là, en fait, c'est une structure en triangle et la tête est reliée au bâti par des rotules. Donc, pour cette imprimante 3D là, on est essentiellement sur une base plastique. Donc, il faut des thermoplastiques. On utilise principalement du PLA, mais vous pouvez aussi travailler avec de l'ABS ou du TPU. Et il existe une flopée de plastique complémentée avec d'autres matériaux, type fibre de carbone, fibre de verre, fibre de bois, céramique. Après, il faut se dire que on reste sur une base plastique, c'est-à-dire qu'au maximum, la charge en matériaux autres que le plastique sera de 30%. Donc, les avantages de ces imprimantes 3D-là, c'est vous pouvez vraiment en trouver à tous les prix.
Là, j'ai mis à partir de 150 euros, mais ce matin, on m'a encore envoyé une information. Il serait possible d'en acheter pour moins de 100 euros. Et après, on va jusqu'à des modèles professionnels qui sont beaucoup plus chers. Mais donc, c'est clairement le type de technologie qui pourrait arriver chez n'importe qui assez rapidement. On a une prise en main qui est assez facile, hein, surtout avec le développement des tutos, des choses comme ça. Enfin, à peu près n'importe qui, en s'y mettant bien, peut apprendre à utiliser une imprimante 3D à dépôt de fil. Ce qui ne veut pas forcément dire qu'il est capable de faire de la conception 3D, hein. Là, on parle vraiment que de la partie machine. Mais en tout cas, la prise en main est assez simple. Et c'est des machines qui sont facilement déplaçables. On n'est pas sur des machines industrielles qui sont vissées quelque part. Là, on peut tout à fait les déplacer. Pour ce qui est des inconvénients, par contre, c'est qu'on est sur une précision qui est assez limitée. Alors, pour des imprimantes à dépôt de fil professionnelles, le minimum que j'ai trouvé jusqu'à présent, c'est une marge d'erreur de 100 microns. Mais sur des imprimantes classiques, on est plutôt autour de 0,2 ou 0,4 mm. Comme je le disais, on est limité par les thermoplastiques et on est aussi limité en nombre de couleurs. J'ai trouvé un modèle d'imprimante 3D qui travaille avec trois buses en parallèle, mais généralement, c'est une ou deux buses. Donc, c'est une ou deux couleurs. Ensuite, donc la technologie dont je vous parlais tout à l'heure, la stéréolithographie. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'on part d'une fine couche de résine liquide, et ensuite, à l'aide d'un laser, on va venir durcir cette résine de manière localisée. Le plateau va bouger pour pouvoir redéposer un film de résine liquide. On va la durcir une nouvelle fois et ainsi de suite. Donc, il y a deux types d'imprimantes en stéréolithographie. Le modèle qui est représenté sur le schéma que vous voyez là. Et il existe un autre modèle qui est le modèle dont on dispose au Fab Lab, où là, c'est le plateau qui monte. Pardon. Voilà, donc pardon. Donc ça, c'est une technologie qui est accessible chez nous. Elle a l'avantage par rapport à l'imprimante en dépôt de fil d'être beaucoup plus précise. Si on parle en dixième de millimètre pour une imprimante 3D à dépôt de fil, là on va pouvoir parler en centième de millimètre. Après, en ce qui nous concerne en tout cas, ça pose un certain nombre de problématiques. La résine, c'est un matériau qui n'est pas neutre, donc qui n'est pas forcément évident à manipuler. Il coûte beaucoup plus cher que le plastique des imprimantes 3D à dépôt de fil. Et puis un autre truc, c'est que une fois que votre pièce est faite, il y a plusieurs étapes de post-traitement à faire. Dans un premier temps, on va devoir placer votre pièce dans un bain d'alcool pour retirer la résine liquide qui reste sur votre pièce. Et ensuite, il faut la placer dans une cuve à UV pour finir de solidifier la pièce, parce que sinon, elle reste cassante. Et malgré ce traitement-là, c'est une pièce qui a pas une très grande durée de vie. C'est-à-dire que je fais ma pièce, je la traite correctement. Si je la pose sur une étagère et que j'y touche plus pendant un certain temps, eh ben elle peut casser net, juste en réaction aux UV dans la pièce où elle est posée. Donc, c'est très précis, mais c'est une techno de prototypage à court terme. Donc, au Fab Lab, cette machine-là est disponible comme les autres et sur demande, mais on aura tendance à la garder vraiment que quand il y a un gros besoin de précision, quand on est en orfèvrerie ou quand. Enfin, là, vous voyez un exemple
de travail qui a été fait en dentaire, par exemple. Donc, une autre technologie en photopolymérisation, c'est le DLP. Donc là, c'est traitement numérique. Alors, c'est une techno qui permet de gagner pas mal de temps par rapport à la technologie précédente, où dans le cas précédent, c'est un laser qui se déplace. Donc, pour construire une couche, il faut que le laser ait balayé l'ensemble de la couche. Alors que dans le cadre du DLP, c'est un projecteur qui va envoyer en une seule fois toute la couche. Donc, qui permet, cette techno-là permet un gain de temps. Et dans l'industrie, j'ai vu des machines comme celle-là en DLP sur des surfaces vraiment grandes. La machine que j'ai vue, elle faisait 2 mètres de long par 1 mètre de large. Bon, ça tenait dans un hangar, c'était une imprimante vraiment énorme. Mais c'était assez impressionnant. Une autre technologie qui a été développée en courant des années 2010, c'est l'impression 3D dite clip. Alors là, en fait, ça ressemblerait presque à la technologie précédente, c'est-à-dire qu'on c'est une projection continue d'image. Sauf que elle est présentée comme étant 10 à 20 fois plus rapide que la stéréolithographie classique. Il y a certaines photos, certaines vidéos, si vous avez envie d'aller voir, vous pouvez taper carbone 3D sur Internet. La pièce a l'air vraiment de sortir du bac à résine. Ce principe de fonctionnement-là permet de générer les couches à assez grande vitesse. En gros, pendant qu'une couche finit de se solidifier, la suivante est déjà en cours de production. Et donc, comme ça, ils sortent des pièces très vite. Et pour la petite histoire, cette techno-là aurait été inspirée par le T-1000, le robot du film Terminator 2, pour ceux qui verraient la référence. Et donc la dernière technologie, c'est le DPP. Donc là, c'est le même principe que les technologies précédentes. On durcit toujours de la résine, sauf que là, on utilise de la lumière naturelle projetée sur un écran à cristaux liquides. Donc, comme je le disais, avec cette techno-là, on peut vraiment envisager de faire des pièces de grande taille. En sortie de machine et après traitement, les pièces sont lisses et fonctionnelles. Elles ont une faible durée de vie, mais on peut les mettre dans un système mécanique. Il est possible d'imprimer en résine et d'avoir un rendu vraiment transparent. Et pour certaines technologies, celles de carbone 3D ou celles par projection, on peut être assez rapide. Par contre, comme vous l'avez vu, dans la plupart des cas, on imprime avec des supports, donc il faut les retirer. En plus, vu qu'on travaille sur des bains de résine, forcément, on est en monomatériaux, donc le retrait des supports est forcément fait de manière mécanique. Et donc, il y a le post-traitement en nettoyage, fourrure et autres. On passe à la techno de fusion sur lit de poudre. Donc là, le principe, c'est qu'on a une première chambre dans laquelle, enfin, qui est remplie de poudre. Généralement, c'est de la résine. Un rouleau va se déplacer et va emporter de quoi déposer une fine couche de poudre sur la plateforme de travail. Un laser va venir la durcir, le plateau va descendre, le rouleau va redéposer une couche de poudre, et ainsi de suite.
Alors, on n'en a pas au Crunch Lab. Par contre, vous trouverez une machine de ce type-là à Montbéliard, donc dans l'un de nos labos. Donc, il est tout à fait envisageable, s'il y a des besoins, de mobiliser cette machine-là. Alors, selon les conditions du labo, hein, ce sera pas les prix Crunch Lab, mais on pourra tout à fait aller mobiliser ces techniques et les compétences associées, si besoin. Alors, on a le même principe, mais pour de la poudre métallique. Donc là, on est sur une techno qui s'appelle le DMLS. Et donc là, au lieu de travailler sur de la poudre de résine, on travaille sur de la poudre métallique. Et donc là, vous avez une photo de réalisation. La technologie laser métal pose un certain nombre de soucis, notamment il y a besoin de beaucoup d'énergie, et cette énergie-là, au moment de la fonte de la poudre, elle doit se diffuser, ce qui peut causer des déformations. Et c'est pour ça que cette techno-là a été développée. C'est sensiblement le même principe, sauf qu'on n'envoie pas du laser, mais un faisceau d'électrons. Et donc, on est sur des temps, enfin, sur quelque chose de plus focalisé, et qui a moins, enfin, qui nécessite moins, enfin, qui génère moins de distorsion. Donc, comme je le disais, on peut travailler un certain nombre de matériaux sur ce principe-là, métaux, plastique, céramique. Les pièces qui sont produites sont de bonnes propriétés mécaniques, elles sont durables et fonctionnelles. Il y a des pièces qui sont réalisées en métal et qui partent pour de vrai dans des avions qui volent, hein. C'est pas, là, on n'est pas sur des questions de prototypage. Ça peut vraiment être prévu pour faire des pièces d'usage. Elle a par contre tendance à générer des pièces qui ont une surface poreuse, donc il y a quasi obligatoirement une étape de finition en fonction des besoins. Les matériaux coûtent très cher. Alors pour le temps de chauffe, ça c'est quelque chose qu'on voit régulièrement à Montbéliard, c'est qu'entre le moment où on décide de lancer la machine et le moment où effectivement on imprime, il se passe un certain temps. Et on est sur des coûts de fabrication qui sont quand même très élevés comparés aux procédés classiques. C'est-à-dire que si vous avez une pièce en métal à faire, si vous pouvez la faire en soustractif, ce sera quasi obligatoirement toujours plus intéressant que la fusion sur lit de poudre. On va vraiment la garder soit pour des pièces de prototypage, soit pour des pièces vraiment adaptées à un besoin très spécifique. Donc, on passe à la projection de matière. Donc, là, vous avez une imprimante dite DOD, donc dépôt à la demande. Donc là, on a d'un côté un polymère, de l'autre un matériau support. Ils vont être déposés. Ensuite, une pièce va permettre de chauffer la couche en cours. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir monter notre pièce. Alors, le DOD, par contre, est spécifiquement adapté à la réalisation de pièces en cire. Vous avez aussi les imprimantes PolyJet. Donc là, en fait, le principe, si vous voulez, c'est celui d'une imprimante classique en deux dimensions, celle que vous avez à votre bureau, sauf qu'elle est adaptée de manière à pouvoir travailler en 3D. C'est-à-dire qu'au lieu de déposer juste de l'encre, on va déposer une matière qui va pouvoir se solidifier et qui va permettre de réaliser votre pièce.
Voilà. Donc, ah oui, excusez-moi, par rapport à la diapo précédente, on a un double dépôt ici. On dépose le matériau et de la colle pour réaliser la couche en cours. Alors que dans le cas des imprimantes multijet, c'est des micro-gouttes de résine photosensible qui sont déposées. Donc ça ressemblerait presque à du SLA, sauf qu'ici, on dépose des gouttelettes de matériaux au lieu de solidifier une pellicule de matière. Enfin, vous avez la technologie qui a été développée, pardon, exclusivement par X-Jet. Donc là, l'idée, c'est de charger les gouttelettes de liquide qu'on dépose avec des matières métalliques. Et du coup, après une recuisson, enfin, en gros, il y a des poudres de matière métallique et une sorte de colle. Ensuite, on va la recuire pour retirer la colle et ne garder que la partie métallique. Et on obtient la pièce que vous voyez, le genre de pièce que vous voyez à l'écran. Alors là, on retrouve un procédé qui ressemble Un petit problème technique là, non? C'est bien ce qui me semble ici. Ah, vous êtes revenus, messieurs. Effectivement, Pierre, il y a eu un petit souci technique. Le temps qu'elle se reconnecte et puis on va reprendre. C'est bon, tu me vois? Merci. Voilà. Les joies de la connexion Internet. Donc, je le disais, là, on dépose du liant au lieu de déposer directement de la matière pour réaliser la pièce. Là où cette technologie a pas mal d'intérêt, quelles que soient les machines que je viens de vous présenter, c'est qu'on va pouvoir colorer la matière ou le liant de manière à pouvoir obtenir un rendu photoréaliste. Un photoréaliste, peut-être pas, mais disons multicolore en tout cas. Voilà. Donc, on a une large gamme de polymères, une assez bonne résolution en fonction des machines. Bon, il faut savoir qu'on est forcément sur des machines industrielles, donc le coût de la machine va avec la résolution. Et là encore, on a des pièces qui peuvent nécessiter des supports avec un post-traitement et qui peuvent se déformer. Alors, on passe à la stratification de couches. Donc là, comme je le disais, le principe, c'est on part d'un matériau sous forme de plaque, on va découper la couche.
Et puis ensuite, on va prendre une nouvelle feuille qu'on va découper et on va coller les feuilles entre elles jusqu'à obtenir la pièce souhaitée. Là, le visage un petit peu inquiétant que vous voyez là, c'est une pièce réalisée en papier. Donc, il y a des dizaines et des dizaines de couches de papier qui ont été déposées. Donc, ça, c'est fait à partir du scan d'un visage. Et donc, l'intérêt de le faire en papier, là aussi, c'est qu'avant de le découper, vous pouvez tout à fait l'imprimer pour réaliser votre pièce. Alors, ce qu'il faut se dire, c'est que chaque feuille qui est découpée et déposée, ce n'est pas juste la couche. En fait, c'est la couche plus les bords de la feuille. Ce qui fait qu'une fois que vous avez terminé votre impression, vous vous retrouvez avec une sorte de ramette de papier complètement collée et aussi dur que du bois, qu'il faut, avec des prédécoupages, et donc il faut ensuite tailler dedans pour obtenir la pièce souhaitée. J'ai eu l'occasion de travailler sur le sujet, d'échanger sur le sujet avec le CIRTES, qui est un centre de prototypage à Saint-Dié. Ils ont ce type de machine-là. Et pour faire une pièce qui a à peu près le volume de la tête que vous voyez là, il y a à peu près une vingtaine d'heures de travail derrière pour retirer la pièce de son lot de feuilles. La techno la plus utilisée en stratification de couches jusqu'à il n'y a pas longtemps, c'était le papier. Mais on a de plus en plus d'imprimantes qui exploitent ce principe et qui utilisent du PVC, une sorte de feuille de PVC imprimable, où il y a une technologie en développement qui travaille avec des feuilles de fibre de carbone. Donc pour le papier et le PVC, en tout cas, on peut faire des pièces en polychrome. Et vu qu'on est sur du papier, on est sur un coût de matière qui est quand même très peu élevé. Après, pour la fibre de carbone, je n'ai pas réussi à avoir d'éléments, mais j'imagine que c'est quand même relativement cher. L'inconvénient, c'est qu'on est limité par l'épaisseur de la couche. Donc, ça dépend du matériau de base. C'est des pièces qui ne sont pas fonctionnelles, donc elles sont relativement dures, mais c'est vraiment fait pour servir de visualisation, mais on ne peut pas les utiliser techniquement. Et comme je le disais, il y a un post-traitement qui est long, et vu qu'on finit avec une espèce d'énorme ramette de papier, il y a pas mal de matière qu'il faut retirer et qui est perdue. Donc là, on en arrive à des technologies liées à l'impression 3D métal, hors poudre qu'on a vu tout à l'heure. Donc là, c'est une technologie LENS. Donc là, le principe, c'est qu'on va projeter d'un côté de la poudre métallique et de l'autre de la matière en un point donné. C'est le point lumineux que vous voyez sur la photo. Et donc, on va pouvoir comme ça créer des gouttelettes de métal à un point donné. Et donc, c'est comme ça qu'on va monter les couches les unes au-dessus des autres. Alors après, on est vraiment très très loin d'avoir ce genre de technologie à la maison. Vu qu'on travaille dans une chambre hermétique remplie de gaz à argon, il faut très peu de niveau d'oxygène et d'humidité. Enfin, c'est des technologies... Honnêtement, je ne saurais pas vous dire s'il y a pour le moment un usage industriel de fait cette technologie-là ou si on en est encore à de l'expérimental. En tout cas, n'hésitez pas à aller voir, vous tapez LENS 3D Printing sur YouTube, les vidéos sont quand même assez visuelles. Un des avantages de cette techno-là, en tout cas qui est présentée par ceux qui l'ont développée, c'est qu'on peut vraiment jouer sur les poudres métalliques, envisager des alliages, travailler de l'or, du cuivre, du fer, enfin... Il y a vraiment moyen de réaliser des pièces dans plein de matériaux métalliques différents. Euh,
Et donc, cette technologie-là ressemble un petit peu, sauf que contrairement à la technologie précédente, on ne projette pas des poudres métalliques, mais directement un fil de matière. Donc, ce serait un équivalent du dépôt de fil, mais adapté aux pièces métalliques. Donc, ça fait des pièces qui sont un peu brutes, hein, mais l'avantage, c'est qu'on peut, on peut faire des impressions assez rapides par rapport à la technologie précédente. Dans les deux cas, de toute façon, les fabricants disent que leurs machines vont beaucoup plus vite que les imprimantes en fusion à lit de poudre. Mais comme pour l'impression sur lit de poudre et comme pour l'impression sur lit de poudre, on est sur des coûts de fabrication qui sont bien plus élevés que la fabrication en soustractif. Et c'est d'autant plus vrai pour ces technologies-là qui sont beaucoup plus coûteuses et qui sont beaucoup plus contraignantes. Donc, pour revenir un petit peu de manière schématique sur tout ce que je vous ai dit, on a bien présenté l'ensemble des grands types de technologies ici, avec leur déclinaison à l'heure actuelle. Alors, j'aime un peu moins cette ligne-là, dans le sens où il présente le matériau principal, mais il peut y avoir plusieurs matériaux sur chacune de ces technos-là. Et alors, je ne fais absolument pas de pub, hein, mais si vous voulez en apprendre plus sur certaines de ces technos, vous avez des fabricants de ce type de machines-là, si vous voulez aller plus loin sur une des technologies. Bien évidemment, cette présentation est à votre disposition si vous le souhaitez. Et je vous remercie pour votre attention. Je réponds aux questions, sinon. Voilà. Si certains veulent poser des questions, on peut prendre quelques minutes. Alors, j'ai vu une remarque de Stéphane, mais j'ai vu la fin de la phrase. Je ne sais pas si c'est une question ou une remarque. C'était pour savoir si la technologie Lens était un peu comparable à la techno VED de chez BIM. Quelles technologies sont les plus adaptées à de la petite production? En fait, faut le prendre. Donc je crois qu'il y a eu une question qui a été posée, mais je n'avais pas mes écouteurs, je prie de m'excuser. Donc déjà, pour la question qui est dans le chat, donc, quelles technologies sont les plus adaptées à de la petite production? En fait, le raisonnement serait plutôt d'abord quel matériau on veut travailler. Parce qu'en fonction du matériau qu'on va choisir, il y a certaines technologies qui sont ouvertes plutôt que d'autres. Et en fonction des technologies qui sont offertes, ensuite, il y en a certaines qui sont plus coûteuses que d'autres. Sachant que ce n'est pas le seul prisme de travail. Il y a des contraintes liées à certaines technologies qui font que, suivant la pièce que vous demandez de réaliser, ça marchera ou ça ne marchera pas. Donc, c'est très difficile de répondre à ce type de questions. Pour de l'impression 3D classique de plastique, je dirais le dépôt de fil semble le moins coûteux. Pour de l'impression 3D, très vite, le changement de technologie
vers du moulage, vers du soufflage peut se justifier si, si on veut faire de la série. Oui, Michel Armand, j'ai une question. Oui. Concernant le dépôt de fil, pour en avoir testé quelques-unes, il y a souvent des problèmes de reproductibilité, de la qualité, déjà de réglage au départ et de reproductibilité de la qualité d'une impression à l'autre. Si on veut quelque chose d'un petit peu plus robuste dans ce domaine-là, c'est le moulage. Pour de la reproductibilité, oui, je pense. Hein, de toute façon, on sort vite du champ d'utilité de l'impression 3D. Soit je veux faire une ou deux pièces ou des pièces adaptées, et là je fais de l'impression 3D. Si je veux de la reproductibilité, c'est du moulage ou d'autres techniques. C'est Lucas qui parle. Qu'est-ce que vous entendez par reproductibilité ? Est-ce que donc c'est Monsieur Domanski ? Parce que reproductibilité, est-ce que vous faites une pièce, deux pièces, dix pièces, et puis vous avez peur que les une, deux et dix pièces soient pas identiques, ou vous voulez faire des séries de 50, 100, 200 000 pièces ? Non, je parlais de la. C'est de la petite série, mais la difficulté que j'ai rencontrée avec le dépôt de fil, c'est que d'une impression sur l'autre, la machine des décalages, soit d'horizontalité, soit d'épaisseur de fil, etc. Et finalement, même pour un petit échantillonnage, on se retrouve avec du déchet, avec des pièces qui sont pas proprement l'une de l'autre. Alors, c'est comme tout, hein, les imprimantes 3D, vous en avez à 80 euros jusqu'à 80 000, 100 000 euros en fil. Donc, c'est clair que quand vous achetez une machine à 100 000 euros, je pense qu'elle sera un peu plus réglée tip-top et un peu plus robuste que celle que vous allez trouver sur Amazon à 80, même l'imprimante à 1 000 ou 2 000 euros. Oui, c'est ça la difficulté, c'est que la gamme étant extrêmement large, on ne sait pas à quel tarif commencer pour avoir quelque chose qui ne nécessite pas 3 jours de réglage et 3 heures entre chaque impression, en gros. Moi, ce que je vous propose, c'est que... Peut vous faire un benchmarking d'une pièce test que vous connaissez bien entre le Crunch Lab de Belfort et puis le Fab Lab qui est présent à l'UTBM à Sévenan, comme vous voulez. Et ouais, après, vous me direz ce que vous en pensez sur différentes machines. Oui, ben on traitera ça en dehors, ouais, pourquoi pas. Merci. Bonjour tout le monde, c'est Samuel Gomez, je suis prêt au besoin. Mais avant, il y a Alexis Vion, Sam. Oui. Ah, il y a du retard ? Oui, on a décalé un petit peu de quelques minutes, oui, effectivement. Ok. Alors, ben, justement, on va passer à la suite. Oui. Bonjour à tous. Je vais donner la parole à Alexis qui va nous parler de l'entreprise BV Proto. Alors, pour partager. Alors, je vais arrêter le mien. Voilà. Est-ce que vous voyez mon écran ? Alors, ça arrive. C'est bon ou pas ? Ça arrive petit à petit. Voilà, c'est bon. C'est bon. Donc, bonjour à tous. Je me présente Alexis Vion. Je suis un des co-gérants de la société BV Proto qui est spécialisée dans la pression 3D métallique et je vais vous présenter ce procédé-là. Donc, je vais tout d'abord commencer par vous présenter rapidement la société. Alors, nous sommes une société qui existe depuis septembre 2007. Nous sommes une petite société, nous sommes uniquement 2 personnes. Comme je vous l'ai dit, nous sommes spécialisés dans la fabrication additive de pièces métalliques pour de la pièce unitaire ou alors de la petite série. Nous sommes installés dans les locaux de la plateforme Titan à Sévenan.
Et nous avons deux machines d'impression 3D métal, une EOS M270 qui date de 2007 et une EOS M280 qui date de 2015. Les principaux secteurs d'activité dans lesquels on intervient sont l'automobile, le médical, les bureaux d'études, la réalisation d'outillage et les centres de recherche. Un petit peu de luxe, mais c'est de moins en moins. Donc maintenant, je vais vous présenter le procédé de fabrication directe métallique et ses différentes étapes. Alors le nom un petit peu barbare de ce procédé-là, c'est microfusion laser sur lit de poudre métallique. Son principe, donc comme l'a dit Pierre, c'est un procédé qui fonctionne par addition de couches de matière. Et il se déroule en plusieurs étapes. Donc, dans un premier temps, nous, je vais vous expliquer un peu nous, comment on travaille avec nos clients et ça va vous permettre de voir toutes les étapes du procédé. Donc, nous, ce qui se passe quand on reçoit un fichier 3D d'un de nos clients, donc, dans un premier temps, on le positionne dans l'espace par rapport à notre plateau de fabrication et on doit créer ce qu'on appelle des supports de fabrication. Donc, c'est ce que vous voyez en rouge sur les deux images à gauche et à droite. Donc, on utilise un logiciel spécifique qui s'appelle Magix, qui est édité par la société Materialize. Ils sont quasiment leaders sur le marché. Je parle de logiciels professionnels. Hein. Il y a des logiciels libre-service type Cura, par exemple. Mais là, je parle de logiciels professionnels. Ils sont vraiment… c'est eux qui ont le monopole sur ce secteur-là. Donc, on travaille à partir de fichiers, j'ai oublié de vous dire, on travaille à partir de fichiers STL. Donc, c'est des fichiers qui sont facettisés. Et une fois qu'on a positionné donc, nos pièces, qu'on a orienté nos pièces sur le plateau de fabrication et qu'on a créé nos supports, on enregistre ces fichiers-là. C'est la pièce et les supports sous deux fichiers différents. Et ensuite, ces fichiers-là, on vient les trancher. Donc, les trancher, les couper informatiquement. Alors nous, pour notre part, on travaille en couche de 40 microns. Pour cela, on utilise un logiciel spécifique à la marque de notre machine. Donc, c'est un logiciel qui est édité par EOS, qui s'appelle RP Tools. L'opération se fait assez rapidement, en quelques secondes, voire quelques minutes. Vous avez les différentes tranches de votre pièce et de vos supports qui sont créés. Et ensuite, on récupère donc deux fichiers à un format bien spécifique qui est utilisé par nos machines. Et ces deux fichiers-là, on vient les mettre dans la machine et la machine, on peut commencer la fabrication de la pièce. Alors, plutôt que le dessin que je vous ai mis en bas, là, je vais vous montrer une vidéo de la fabrication d'une pièce. Donc là, vous voyez la vidéo ? Oui, c'est bon. On va dire oui, c'est bon. Donc, sur nos machines, nous, au niveau de la disposition des machines, donc le plateau de fabrication se trouve au milieu. Donc, vous pouvez voir ici avec déjà des pièces qui sont fabriquées. Une réserve de poudre qui se trouve à droite et un trop-plein de poudre qui se trouve à gauche. Et le système qui vient déposer la couche de poudre qui se trouve ici. Je vais lancer la vidéo. Donc là, vous voyez le plateau de fabrication qui vient de descendre de 40 microns. Le dispositif qui vient déposer la couche de poudre sur le plateau de fabrication et le laser qui commence à venir fabriquer les pièces en fonction de la couche qu'il doit fabriquer. Donc, dans un premier temps, le laser fabrique les supports. Ensuite, le laser commence à fabriquer le contour des pièces, puis l'intérieur, puis ensuite le laser vient refaire un post-contour. Donc là, vous voyez, là, par exemple, là, le laser est en train de fabriquer l'intérieur des pièces. Donc là, l'intérieur des pièces, en fait, le laser fabrique par bandes. C'est des bandes qui font généralement entre 5 et 10 mm de large. Et donc, il vient fabriquer les bandes successivement. Une fois que la couche est fabriquée, donc le plateau de fabrication va de nouveau descendre de 40 microns. Et pour que la nouvelle couche se fabrique, donc le racleur va déposer une nouvelle couche de poudre, et les bandes vont être décalées d'un certain angle
pour qu'il y ait une bonne cohésion entre les différentes couches. C'est un peu comme quand vous construisez un mur en briques, bah vous empilez pas toutes les briques les unes au-dessus des autres, vous les décalez à chaque fois, ce qui permet d'avoir une bonne tenue de votre mur. Mais c'est pareil là pour la fabrication additive métallique. Les bandes vont être décalées angulairement de X degrés entre chaque couche. Donc là, je vais un peu accélérer la vidéo. Donc là, vous voyez le laser qui vient refaire un post-contour. Le plateau de fabrication, là, vous allez voir qu'il va redescendre et le système de dépose de poudre qui va repartir. Donc après, une fois que vous avez une couche, ou que vous avez vu une couche, hein, vous avez un peu tout vu. Au bout d'un moment, c'est un peu rébarbatif. Donc une fois que la fabrication est terminée, vous récupérez vos pièces. En fait, les pièces sont noyées dans la poudre métallique. Donc pour relever votre plateau, et là vous commencez à évacuer la poudre. Donc la poudre, vous pouvez la réutiliser. Nous, on la retamise directement dans la machine. On utilise des tamis de 125 microns pour pouvoir réutiliser la poudre. Et une fois que la poudre est complètement évacuée des pièces, vous récupérez votre plateau comme sur la photo de droite en bas, où là vous voyez que les pièces sont soudées directement sur le plateau de fabrication. Donc en bas là, vous avez la petite partie de support qui se trouve ici, et pour venir désolidariser les pièces du plateau de fabrication, on utilise généralement deux voire trois moyens différents. Donc si c'est de la toute petite pièce, on peut venir directement avec un marteau et un burin casser les supports juste à ras du plateau de fabrication. Si c'est de la pièce un petit peu plus grosse, ou alors si vous avez beaucoup de pièces sur votre plateau de fabrication, on utilise une scie à ruban, comme vous pouvez voir sur la photo de gauche. Donc là, c'est une coupe droite, on vient scier les pièces directement sur le plateau. Ou alors si c'est de la pièce beaucoup plus massive que vous avez directement soudée sur votre plateau de fabrication, on peut utiliser de la découpe à fil par électro-érosion. Et une fois que vous avez désolidarisé vos pièces de votre plateau de fabrication, ben vous récupérez vos pièces. Donc vous avez vos pièces ici, les supports qui se trouvent ici. Et là, c'est un petit peu le système D. Pour enlever les supports, c'est un peu... Vous utilisez un peu tous les outils que vous pouvez avoir sous la main, donc burin, marteau, pince, usinage. Ça, c'est une opération qui est quand même assez fastidieuse, qui peut prendre pas mal de temps sur certaines pièces. Et le positionnement en fait des pièces sur le plateau de fabrication va conditionner en fait la bonne réalisation de cette étape d'enlèvement de support. Et à la fin, vous retrouvez avec vos pièces sans les supports, donc avec des différentes finitions possibles. Nous, généralement, nos clients, ce qu'on leur propose, c'est de la finition microbillée, donc comme sur la pièce qui se trouve en haut à gauche ou en bas à droite. Mais on peut proposer aussi à nos clients différentes finitions, comme de la finition, on va dire, polie sur les pièces. Enfin, les pièces, elles sont plus ou moins polies sur la photo en bas à gauche. Ou alors, après, ben, ça devient les pièces fabriquées en impression 3D métallique, ça devient de la pièce mécanique classique. Vous pouvez faire de l'usinage, vous pouvez faire de la mise en peinture, vous pouvez faire de la soudure. Ça devient vraiment de la pièce mécanique classique. On va passer maintenant aux avantages et aux limites du procédé. On va commencer par les avantages. Alors, premier avantage, la fabrication, c'est la fabrication de pièces à géométrie complexe qui ne sont pas forcément réalisables avec des procédés classiques. À la base, l'impression 3D métal, elle a été développée pour tout ce qui est empreinte d'injection plastique, où les injecteurs avaient besoin de placer des canaux à l'intérieur de leur outillage d'injection. Et les canaux devaient être au plus proche de la forme à injecter pour pouvoir augmenter la durée de vie de l'outil, ou alors pour pouvoir augmenter leur productivité. Et c'est avec ce besoin-là en fait que la fabrication additive métallique a été développée dans un premier temps. Ensuite, on est passé sur de la pièce, nous, ce qu'on appelle de la pièce directe. C'est ce qu'on fait généralement chez nous. Donc là, je vous ai mis deux exemples. Un exemple de cylindre
avec son piston. Où là, par exemple, ces pièces-là, on les a fabriquées. Là, il y a un système de canaux où les canaux sont espacés de 0,5 mm entre eux et ont une épaisseur de paroi de 0,5 mm, par exemple, sur le cylindre. Donc ça, c'est une pièce qui n'est pas forcément réalisable avec des procédés classiques. Et la pièce de droite, donc le cylindre. Donc le client voulait un gain de masse sur sa pièce, donc il voulait une pièce creuse. Donc voilà, pareil, une pièce qui n'est pas forcément réalisable avec des procédés classiques. Et en plus, l'épaisseur de paroi devait faire aux alentours de 0,6 ou 0,8 mm. Donc ça, c'est deux exemples vraiment qui sont vraiment intéressants pour la fabrication additive métallique. Comme le disait Pierre tout à l'heure, il y a certains de nos clients qui nous demandent, enfin je vais aller vraiment dans l'extrême, mais de fabriquer un cube, on leur dit tout de suite non, c'est pas la peine d'utiliser de la fabrication additive pour fabriquer un cube, il n'y a aucun intérêt, que ce soit économique ou qualitatif, les procédés classiques seront toujours plus intéressants dans le cas de ce type de pièce. Autre avantage, la rapidité de fabrication par rapport aux procédés classiques. Alors là, c'est uniquement quand un outillage est nécessaire pour réaliser la pièce. Par exemple, pour de la pièce engoutie, par exemple, ou de la pièce de la tôle pliée, comme les exemples que vous pouvez voir sur la photo en dessous. Donc là, par exemple, ces pièces-là, on aura peut-être besoin d'un outillage pour réaliser ces pièces-là. Là, la fabrication additive peut être intéressante parce que nous, on n'a pas besoin d'outillage. Donc, on fabrique la pièce directement et on arrive à livrer nos clients sous des délais de 4-5 jours ouvrés sur de la pièce comme ça. Et beaucoup moins cher également puisqu'on n'a pas la réalisation d'outillage. Également, autre avantage, la flexibilité dans la fabrication. Alors, pareil, sur l'image du dessous, là, vous pouvez voir, on a fabriqué sur un même plateau de fabrication des pièces qui sont ces pièces-là, tout ce qui était pièces pliées, c'était de la pièce qui était pour de l'industrie automobile, pour un client qui fabrique des serrures de voitures. Et une autre pièce ici, ça c'est une cuillère à miel pour un designer par exemple. Donc là, c'est des pièces qui n'ont rien à voir au niveau secteur d'activité et au niveau forme. Donc l'intérêt pour nos clients, c'est de pouvoir tester par exemple plusieurs designs de plusieurs configurations d'une même pièce dans une même fabrication. Autre avantage du procédé, une réduction de coût donc par rapport à la fabrication des procédés classiques. Alors ça, c'est valable, comme l'a dit Pierre, pour de la pièce unitaire ou pour de la petite série. Pour de la grande série, en tout cas pour ce qui concerne la pression 3D métallique, on n'est pas encore capable de sortir des grandes séries à des coûts intéressants. Nous, pour nos clients, on a déjà fait des séries d'un peu plus de 1000 pièces. Alors, c'est pas de la grande série, mais ça commence déjà à être des séries assez intéressantes pour la fabrication d'équipes métalliques. Et là, il y avait de la valeur ajoutée en fait sur la pièce. C'est pour ça que le client est venu vers nous pour faire ces séries-là. Comme vous pouvez voir par exemple sur la photo du bas, on peut placer, là c'était des bus d'injection pour le domaine de l'injection plastique il me semble. Donc là on arrive à placer plus d'une centaine de pièces sur un plateau, donc là ça commence à devenir intéressant. Autre avantage, alors on entend parler à la télé, dans les médias, que la fabrication additive c'est merveilleux, c'est écologique, il n'y a pas de perte de matière, on utilise uniquement la matière qu'il nous faut. Moi, je voudrais mettre un bémol sur cet avantage-là. Si vous voyez la photo de droite ici, vous voyez un peu la masse de support qu'on était obligé d'utiliser pour fabriquer cette pièce-là. Il y a quasiment plus de support que de pièces finales. Donc c'est pas tout le temps vrai, c'est pour ça que je dis il y a quasiment pas de perte de matière, sachant que les supports on peut pas forcément les réutiliser pour refabriquer de la poudre. Donc c'est pour ça que je préfère mettre un bémol parce que c'est pas forcément vrai. Passons maintenant aux limites du procédé. Alors première limite, c'est le volume de fabrication.
Nous, par exemple, nos volumes de fabrication sur nos deux machines, on est en 250 par 250 en X et Y, et en Z, on est aux alentours de 180 à 200 mm. Le standard actuellement, c'est aux alentours de 300 par 300 par 260, on va dire. Le volume de fabrication maxi des machines qui existent actuellement, il me semble que c'est du 800 par 400 par 500. Donc, ça commence à faire des beaux volumes de fabrication. Après, plus on augmente le volume de fabrication des machines, plus il y a d'autres contraintes qui vont se greffer au procédé. Donc, c'est pour ça que le volume de fabrication, ça reste quand même assez limité. Pour la pièce assez volumineuse, on ne peut pas forcément utiliser ce procédé-là. Même si nous, ça nous arrive de faire des pièces qui sont hors volume de notre volume de fabrication, où là, on peut proposer à nos clients de fabriquer la pièce en plusieurs parties, et ensuite, on vient ressouder en fait ces différentes parties. Autre limite du procédé, nous, ce qu'on dit à nos clients, généralement, c'est qu'on fabrique des pièces semi-finies. Si notre client a besoin de précision ou d'une rugosité particulière sur sa pièce, il y aura forcément une étape de post-traitement supplémentaire de type usinage ou de type polissage. Donc c'est pour ça qu'on préfère dire à nos clients qu'on livre des pièces qui sont semi-finies. Suivant ses besoins, il y aura peut-être une étape supplémentaire. Et gros inconvénient en fait de la fabrication additive métallique, c'est la présence de ces fameux supports de fabrication qui peuvent être problématiques sur certaines pièces, parce que si les supports de fabrication, bon, on ne peut pas venir les enlever et les supprimer de la pièce, ben la pièce finale, ça ne sera pas forcément fonctionnelle et en gros, ça ne sert à rien d'avoir fabriqué la pièce. Donc, c'est une contrainte quand même assez importante dans ce procédé-là. Il y a des évolutions qui sont actuellement faites par les fabricants machines où on arrive à commencer à supprimer, à diminuer l'utilisation de ces supports de fabrication, mais ils restent quand même présents majoritairement sur les pièces. Autre limite du procédé, avec ce procédé-là, on a des risques de déformation de pièces pendant la fabrication ou lors de l'enlèvement des supports. Là, je vous ai mis plusieurs exemples de pièces. Alors sur la partie, sur la photo de gauche, ça c'est une pièce pareille pour la serrurerie automobile. Donc c'est une pièce qui faisait à peu près 170 mm de haut avec une épaisseur de tôle de 0,8 mm il me semble. Et là vous pouvez voir quand on a sorti la pièce, vous pouvez voir ici, la pièce est ondulée ici et ici. Et là sur la partie supérieure, elle est même déchirée. Donc normalement là, la partie là est complètement plane. Donc, toute cette zone-là est plane et pendant la fabrication, la pièce s'est déformée et vous avez la surprise quand vous sortez votre fabrication, la mauvaise surprise de voir votre pièce complètement déformée. Alors cette pièce-là, avec l'accord du client, nous on a pu la récupérer. On a pris marteau, burin, on a commencé à faire de la tôlerie et puis on a réussi à remettre la pièce en forme. Ici, on a ressoudé la partie supérieure et on a pu livrer à notre client la pièce. Mais maintenant, avec l'expérience, on sait que ce type de pièce-là, il y a des gros risques de non-venue pendant la fabrication et de déformation. Donc, on est plutôt prudent maintenant, par exemple, avec ce type de géométrie de pièce-là. Autre exemple, donc ça, c'est une pièce en acier inox 316L, par exemple. Ici, sur la pièce de droite en haut, ça, c'est une pièce pour le secteur automobile aussi. C'est une pièce en cobalt chrome. C'est un matériau qui a tendance à pas mal se déformer pendant la fabrication. Et là, vous pouvez voir que la pièce s'est désolidarisée, entre guillemets, à l'interface support-pièce. Là, c'est complètement craquelé. Donc, c'est bien la preuve que la pièce a bien tiré, s'est bien déformée pendant la fabrication. Alors là, ce n'était pas forcément un problème pour nous, puisqu'on avait, c'est une pièce qui devait être reprise en usinage. Et on avait anticipé, on avait mis de la surépaisseur d'usinage un petit peu partout. Donc ça, c'est de la pièce qu'on a pu livrer sans problème à notre client. En revanche, la pièce du dessous ici, donc ça, c'était pour une maquette d'avion pour la société Dassault.
là, ben, vous voyez sur la partie inférieure de la pièce, là, la pièce est carrément décollée du support. Vous avez plusieurs millimètres d'écart entre le support et la pièce. Et là, ben, la pièce, vous la prenez et puis vous la mettez à la poubelle et vous recommencez. Donc ça, pour pallier par exemple à ce défaut-là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a recommencé la fabrication, mais on a rajouté de la matière. On a fabriqué la pièce directement soudée au plateau de fabrication sur cette partie-là. Et quand on est venu couper la pièce avec notre scie à ruban, eh ben on a récupéré en fait, on avait une surépaisseur assez importante ici, qu'on est venu ensuite supprimer soit en usinage, soit avec une ligne électrique. Donc avec l'expérience, c'est, on va dire, cette contrainte de déformation, on arrive plus ou moins à la contrer maintenant, vu qu'on a maintenant plus de 10 ans d'expérience dans le procédé. Donc on arrive à savoir anticiper en fait les déformations qu'on trouve sur les pièces. Bon, il nous arrive encore d'avoir certaines surprises, mauvaises surprises quand on sort une fabrication, mais on arrive maintenant à anticiper. Plutôt pas mal cette contrainte. Il existe aussi des logiciels maintenant sur le marché qui arrivent plus ou moins à prédire ces déformations. Ce n'est pas encore tout à fait au point, mais ça commence à voir le jour. Alors maintenant, je vais vous parler des supports de fabrication, donc ces fameux supports. Donc, c'est une structure en nid d'abeille qui permet d'être supprimée plus ou moins facilement parce qu'en fait, à l'interface pièce-support, là, vous pouvez voir plus ou moins sur la photo de gauche, vous avez en fait des dents, ce qu'on appelle nous des dents, qui sont à l'interface pièce-support, ce qui nous permet plus ou moins d'enlever les supports facilement avec une pince ou avec un burin à la marteau. En fait, les supports, là, vous pouvez voir, c'est un quadrillage. Donc, ils sont fabriqués par bloc, on va dire, et on arrive plus ou moins facilement à enlever ces blocs. Alors, ils sont fabriqués forcément dans le même matériau que les pièces fabriquées, comparé à d'autres procédés de fabrication additive où on peut fabriquer les supports dans différents matériaux. Et ces supports-là, ils permettent d'une part de supporter la nouvelle couche qui vient d'être fabriquée, de maintenir les pièces en place pendant la fabrication, de limiter aussi les contraintes des pièces pendant la fabrication et ils permettent de transférer la chaleur qui est en fait créé pendant la fabrication d'une couche vers le plateau de fabrication. En fait, la règle standard, on va dire, en fabrication additive pour tout ce qui est procédé qui utilise des supports, c'est que tous les angles de votre pièce, toutes les surfaces de votre pièce qui ont un angle inférieur à 45 degrés par rapport à votre départ de fabrication, normalement, ces surfaces-là doivent être supportées. Alors, suivant les matériaux, ben, il y a des matériaux qui sont un peu plus tolérants que d'autres où l'angle de supportage, on peut le descendre à 30 degrés, voire maintenant, comme je vous disais, sur certaines machines à 15, 10 degrés. Ça dépend des matériaux. Mais en fait, la règle de base, c'est 45 degrés. En fait. Au niveau état de surface et dimensionnel, alors nous, sortie machine, on est aux alentours d'un RA 9 microns. Après microbillage, nous, généralement, nos pièces, on les livre toutes microbillées. On vient tasser la matière et puis on vient nettoyer la pièce. On vient enlever les dernières traces de poudre sur la pièce. Donc, on les microbille. Et on a aux alentours d'un RA de 6 microns. Au niveau dimensionnel, nous, avec l'expérience, on voit qu'on suit plus ou moins la norme ISO 2768-M. Donc ça, c'est tout. Ça, c'est hors déformation possible parce que, comme vous avez pu voir sur les images précédentes, ça nous arrive des fois que les pièces se déforment de plusieurs millimètres. Donc, en fonction des classes de dimension, ben, on va dire entre plus ou moins un dixième jusqu'à plus ou moins 5, 6, 7 dixièmes, suivant les classes de dimension. Au niveau de l'état de surface et bidimensionnel, nous, ce qu'on dit, c'est qu'on est plus ou moins comparable à de la fonderie sable de précision. Donc voilà, c'est un peu ce qu'on dit à nos clients. Ensuite, là, je voulais vous montrer un slide qui vous montre le temps de cycle par rapport au coût de fabrication.
quand on fabrique une, le temps de fabrication d'une pièce sur une machine de fabrication additive et particulièrement en impression 3D métal, c'est pas forcément linéaire. Quand vous mettiez une pièce ou vous mettiez deux pièces, le temps de fabrication ne va pas être doublé. En fait, le temps de fabrication dépend beaucoup en fait du temps de dépose de la couche de poudre. Vous mettiez une pièce ou vous mettiez deux pièces, le temps de dépose de la couche de poudre, il sera exactement le même. Nous, par exemple, sur notre machine, il est à peu près de 13 secondes. Donc, nous, là, vous voyez deux courbes où vous avez le temps de fabrication qui est en fonction de chaque pièce et le coût unitaire des pièces qui diminue drastiquement en fonction du nombre de pièces que vous mettez sur votre plateau de fabrication. Donc, nous, ce qu'on conseille généralement à nos clients, c'est de regrouper leurs projets et de nous envoyer un maximum de pièces pour qu'on puisse optimiser au maximum notre plateau de fabrication pour que le client ait des coûts de pièces unitaires le plus faible possible. Donc, il y a certains de nos clients avec qui on travaille depuis pas mal de temps qui ont bien compris l'enjeu et qui nous envoient des séries de pièces pour fabriquer en même temps. Voilà un peu. Maintenant, je vais vous présenter les différentes réalisations que nous avons déjà faites. Donc, la première, c'est une canule d'échappement de voiture. Donc, ça, c'était pour la 308. C'était en février 2008, il me semble. C'était pour le salon de Genève. Donc, Peugeot nous avait demandé de réaliser deux canules d'échappement pour pouvoir présenter c'était la 308 GTI à l'époque au salon de Genève. Donc ça, c'était des pièces en acier inox 316L. Je vous ai pas dit, mais nous, on s'est spécialisé plus ou moins dans l'impression 3D en acier inox 316L. Donc quasiment toutes nos pièces sont en inox 316L. Ensuite, pour tout ce qui est industrie du médical, donc on réalise des prothèses. Donc ça, prothèse de genou. Donc là, le client a voulu une finition polie sur sa prothèse. Ou alors, on peut fabriquer aussi des outils chirurgicaux comme cet ensemble-là. Alors, nous, c'est toute la pièce qui n'est pas implantable. Nous, on ne fabrique que de la pièce proto pour le médical. Il y a des normes qui sont trop importantes, trop compliquées à suivre pour nous, vu qu'on est une petite structure de deux personnes. On n'a pas forcément les structures pour pouvoir livrer des pièces implantables. C'est généralement pour des essais cadavériques. Ensuite, une autre réalisation, donc ça c'est des empreintes d'injection plastique qu'on avait fait pour un DUT, où là on avait fabriqué, donc là vous pouvez voir les empreintes d'injection plastique, donc ça c'était du bronze qu'on a fabriqué directement sur notre plateau de fabrication, et l'IUT en fait s'est servi de notre plateau de fabrication, est venu usiner autour des empreintes qu'on leur avait fabriquées. Ils ont utilisé notre plateau de fabrication pour l'insérer directement dans leur outillage. Et donc, ils ont sorti leur pièce en plastique. Autre pièce, donc ça, c'est une extrudeuse qui a été utilisée sur la ligne de production d'un de nos clients. Donc, c'est une extrudeuse refroidie. L'intérêt de la pièce, c'était d'avoir mis un canal de refroidissement qui se trouve ici. Donc, le caoutchouc arrive ici et ressort calibré par le trou qui se situe ici. Et le client a mis un canal de refroidissement pour augmenter la productivité de son outil et pour augmenter également sa durée de vie. Donc là, vous voyez que la pièce a été complètement réusinée sur les parties qui étaient importantes pour le client. Autre réalisation, donc là, la pièce, l'image de gauche, c'est pour l'industrie aéronautique. C'est une étude qu'on a faite pour Dassault Aviation. C'est la buse des désembuages du cockpit du Rafale biplace. Donc, c'est des pièces qui voulaient essayer de faire en impression 3D métal. La pièce de droite, c'est une pièce d'accastillage, donc une flasque de poulie. Autre pièce, donc ça, c'est des structures lattices qu'on avait fait pour le Cetim Certec, où ils voulaient comparer la résistance mécanique entre une pièce pleine et des pièces faites en lattice. Ensuite, ça, c'était le trophée qu'on a réalisé pour les AEPR en 2019. Donc, c'est les pièces supérieures, on avait réalisé les pièces en acier 316L.
Et la structure ici, c'était de la pièce en polyamide. Ensuite, ça, c'est des pièces, on travaille vraiment pour tout type de secteur. Ça, par exemple, la pièce supérieure, c'est un maître modèle pour réaliser des leurres de pêche en matière en silicone. Donc, nous, à notre client, on lui dessine et on lui réalise le maître modèle, donc la pièce en acier que vous voyez sur la photo. Et lui, derrière, il va, avec cette pièce-là, il va fabriquer son moule en silicone pour pouvoir ensuite réinjecter dedans la matière finale pour ses pièces. La photo du bas, c'était un tire-bouchon pour un designer. Ensuite, nous, personnellement, on s'est amusé à fabriquer, enfin à dessiner et à fabriquer des couverts et également des couteaux à cran d'arrêt. Donc ça, les couteaux, là, ils sont fabriqués 100% en fabrication additive métallique où on a intégré directement la fonction cran d'arrêt dans le manche du couteau. Et pour finir, un de nos clients, on a travaillé pas mal de temps avec un client qui réalise des têtes de club de golf personnalisables où l'intérêt de la fabrication additive, c'est que la tête de club de golf est creuse et on dessine à l'intérieur de la tête de club de golf une masselotte, ce qui nous permet de pouvoir piloter la position du centre de gravité de cette pièce-là. Et moi, je ne connais rien en golf, mais a priori, en fonction du joueur, la position du centre de gravité de la tête est importante et va déterminer plus ou moins la facilité de taper dans la balle ou pas. Donc, c'est pourquoi le client était venu vers nous. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions. Alors, il y a une question dans la discussion, c'est quelle différence de solidité on peut retrouver entre une pièce fabriquée par ces procédés par rapport à des pièces cuisinées? Alors, on a quasiment les mêmes résistances mécaniques. Alors, les pièces fabriquées en impression 3D métal ne sont pas forcément isotropes. Donc, suivant la direction dans laquelle on va fabriquer la pièce, les caractéristiques mécaniques ne seront pas forcément les mêmes. Cependant, on est quasiment identique au niveau caractéristiques mécaniques, on va dire, à la matière de base. On perd un petit peu en ductilité du fait du procédé de soudure, mais on va dire qu'on est quasiment équivalent. Je ne sais pas si Lucas a d'autres commentaires là-dessus, il est plus à même que moi de répondre. Alors, effectivement, si on prend des pièces brutes de fabrication, comme le disait Alexis, on a une certaine anisotropie de fabrication, comme c'est le cas quasiment pour toutes les pièces qu'on sort. Mais heureusement, en fabrication additive métallique, quels que soient les procédés, en fonction, parce que tous les alliages ne peuvent pas être travaillés, bien entendu. Les alliages qui ne se soudront pas sous un faisceau laser, ben, on ne pourra pas travailler avec ce procédé-là. Heureusement, on a des post-traitements type traitement thermique qu'on peut prodiguer. Mais des fois, les traitements thermiques de pièces classiques ne s'appliquent pas à des pièces de FA. Donc, il faut non pas réinventer la métallurgie, mais presque. Alors, ce qui se passe aussi, si le client a vraiment des grosses exigences et au niveau des caractéristiques mécaniques, et si c'est vraiment important pour lui, il nous arrive de fabriquer en même temps que les pièces des éprouvettes de traction qui sont de la même hauteur que la pièce et qui nous permettent de venir tester en fait la tenue mécanique des pièces qui ont été fabriquées en même temps que les éprouvettes de traction. Très bien, merci. Alors, moi, j'ai une toute petite dernière question. Comment vous voyez l'avenir de la fabrication additive métal? Je pense que ça va se développer de plus en plus. C'est quand même beaucoup tiré par l'aéronautique et puis le médical. En aéronautique, il y a déjà des pièces produites en fabrication additive qui volent. Si je ne dis pas de bêtises. En médical, nous, on a plusieurs clients qui travaillent sur des prothèses, enfin sur des prothèses ou des prothèses qui sont implantables.
Donc, je pense que ça va prendre de plus en plus de place, on va dire, dans l'industrie. Après, ça ne concurrencera pas les industries qui ont besoin de grandes séries de pièces type automobile. On n'en est pas encore à ce niveau-là. Très bien. Eh bien, merci Alexis pour votre intervention. On va maintenant laisser la parole aux enseignants-chercheurs de l'UTBM, donc Samuel Gomez et Lucas Dubinsky. Je vous passe la main, messieurs. Oui, bonjour. On devait parler à trois, mais il y a un collègue qui est malheureusement empêché. Donc, du coup, on va faire une présentation à deux avec mon collègue Lucas Dubinsky. Donc, Lucas va commencer. Ah, tu laisses le... Ok, ben, bonjour à... Oui, vas-y. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vais vous présenter, alors je ne sais pas comment on fait pour prendre la main sur cet écran, parce que je ne suis pas pour la distance, non? Ben non, je n'ai pas ça ici. Bon, vas-y, tu me dis avance, j'avance. Clique. Ah ouais, donc allez, vas-y, ça. Paf. Voilà, donc le plan de présentation que je vous propose, que nous proposons aujourd'hui, c'est de faire un tour d'horizon de quoi il en ressort dans l'impression 3D, dans la pédagogie, je dirais, au niveau de l'UTBM, voir bien entendu les équipements que l'on a, donc les équipements, et je me mets devant la caméra quand même, hop là, les équipements que l'on a au sein de l'équipe, donc du laboratoire interdisciplinaire Carnot de Bourgogne, dans l'équipe conception, optimisation, mécanique et modélisation. On en est où au niveau pédagogie à la fabrication, parce qu'il faut bien enseigner à un moment donné ces nouvelles techniques de fabrication, bien entendu, et pour aboutir sur deux autres points, qu'est l'impression 3D dans la recherche à l'UTBM et des conclusions et perspectives. Voilà. Donc, si on regarde au niveau de la pédagogie, il y a plusieurs, UV qui existent, mais avant tout, je tenais à me présenter. Donc, je suis Lucas Dubinsky, je suis basé sur le site de Sévenant au niveau de mes bureaux, dans le bâtiment Rotonde. Je fais partie de l'équipe de recherche, conception, optimisation, mécanique et modélisation. Donc, Samuel Gomez en est le chef de service et le responsable. J'ai une fonction toute nouvelle, puisque malgré mon passé de 20 ans à l'UTBM, j'ai eu la chance d'être nommé maître de conférence donc au 1er septembre pour intégrer cette équipe de recherche, tournée autour de la fabrication additive, mais plus impression 3D composite avec un procédé que je vous détaillerai tout à l'heure, d'optimisation et de la conception de pièces pour la fabrication additive. Et bien entendu, comme la fabrication fait des matériaux, il faut bien, je dirais, faire de la caractérisation. Je suis docteur de l'UTBM, même si je n'ai pas fait mon parcours d'ingénieur à l'UTBM, docteur de l'UTBM en sciences pour l'ingénieur et matériaux, et je suis membre actif de la commission de normalisation de la fabrication additive, qui est la commission ENM920. Donc je suis, je dirais, soit de près ou un peu plus de loin, et je participe à des travaux de normalisation de la fabrication additive. Parce que comme l'a dit Alexis Vion, il est important, comme on fait des pièces différentes, d'essayer de normaliser tout ça pour que les industriels s'y retrouvent. Donc, au niveau, fabrication additive, je dirais en quelques clics au niveau pédagogique, qu'est-ce qu'on a à l'UTBM? Non, voilà. Alors, oh là, déjà, on va déjà regarder les équipements présents déjà au niveau de l'ICBCOM. Alors, je vous rassure tout de suite, il n'y a pas du tout de concurrence entre le Crunch Lab de Belfort et puis, ce qui est fait sur différentes unités de l'UTBM. Parce que je vous rappelle, l'UTBM est divisé en trois sites, Montbéliard, Belfort et Sévenant. Et au niveau de l'ICBCOM, volonté à chacun de fabriquer des pièces différentes avec des procédés conventionnels. On va étudier le matériau. Qu'est-ce qu'on a comme machine? On a des FDM classiques, donc des machines d'impression de fil dont on a parlé tout à l'heure. Une autre FDM métal composite, qui est le procédé Adam, qui est une machine de chez Dextop Metal, où là,
J'en parlerai un peu plus tard. On arrive à faire des pièces métalliques avec un autre procédé qu'est la microfusion laser que nous a parlé Alex Sivion ou le dépôt de métal direct que nous a parlé Pierre Lep. Une FDM de chez Mark Forge, on est capable de rajouter, je dirais, un composite dans du polymère, que ce soit du Kevlar, de la fibre de verre ou de la fibre de carbone pour adapter les propriétés mécaniques où elles se situent. Deux polyjets dont le procédé a été vu tout à l'heure, où là on fait de la discrétisation de gouttelettes, donc on a deux machines de chez Stratasys, dont une qui est multimatériaux, où on est capable de mélanger soit les matériaux pour obtenir des propriétés données, soit faire un gradient de matériaux, ou déposer au niveau du voxel des gouttelettes de matériaux pour vraiment adapter la fonctionnalité de la pièce dans son environnement mécanique, dans son environnement, je dirais, qui va être sollicité, soit par rayonnement ou soit électrique. Plusieurs autres équipements, bien entendu, de disponibles autour de la fabrication additive. Nous avons aussi deux stéréolithographies inversées, donc de chez Formlabs, où on a différentes résines de disponibles. Donc là, il n'est pas possible de mélanger les matériaux, ou alors il faudrait qu'on fasse un mélange de résines maison, pourquoi pas, ça peut être étudié. Et prochainement, j'espère bien avoir une résine chargée en céramique, on va pouvoir étudier le comportement des pièces céramiques. Donc, bien entendu, autour de ça, plusieurs ensembles d'autres équipements, un scanner 3D, des découpes laser, de la modélisation, bien entendu, à grand renfort, puisque c'est l'ADN de base de cette équipe de recherche de cet axe COM, pour regarder ce qui se passe, comment déposer au niveau du voxel le bon matériau, pour bien entendu ajouter une dimension à la fabrication 3D, à la pression 3D, et on parle maintenant de 4D printing. Bien entendu, on est adossé aux moyens de caractérisation de matériaux, et je dirais, on peut participer aux activités de la plateforme Titan, puisque la machine FDN Metal Composite de chez Desktop Metal est localisée sur cette plateforme Titan, où, comme l'a dit Alexis, ben, il y a les deux machines de fusion laser, l'input de la société BB Proto, deux appartenant, je dirais, aux confrères de l'ICB, qui est Axe Procédé Métallurgique et Durabilité des Matériaux, dont je dirais la personne qui a venu en parler ce soir s'excuse parce qu'il est malade, et une nouvelle machine de fusion laser avec un laser vert qui va arriver, je dirais, courant janvier 2021. Voilà au niveau, Donc, bien entendu, compte tenu de la pédagogie, pour apprendre à nos étudiants, je dirais, le meilleur, on s'adosse déjà aux compétences, bien entendu, des collègues et des enseignants. C'est pour ça que, je dirais, courant 2015, grâce à la confiance de l'ancien directeur du département, qui était Samuel Gomez, MA51, qui est fabrication additive et impression 3D, a été créée de toutes pièces pour, 4 ans après, créer une OTUV, qui est un de mes collègues, qui est Isha Zhang, qui s'occupe aussi de la fabrication additive. Mais là, CP55 va travailler plus la conception pour la fabrication additive pour arriver à faire une pièce dans son domaine mécanique à fonctionnalité. MA51, je le détaillerai un peu plus tard. Et bien entendu, il y a aussi des actions sporadiques, je dirais, avec du saupoudrage, pour reprendre les termes de notre directeur, de la fabrication additive dans d'autres UV qui sont basées, je dirais, que ce soit sur la formation ingénieur sous statut étudiant dans le département agronomie design et ingénierie mécanique sur Montbéliard, ou l'autre formation des systèmes industriels basée sur Belfort avec deux UV, qui est procédé matériaux et procédé innovant, puis les bases du prototypage rapide sous le code IP50. Vous allez me dire, vous allez vous perdre, c'est nos codes à nous, vous inquiétez pas, s'il faut des détails, il y a mon courriel, vous pouvez bien me poser des questions par courriel. Alors, le but de la pédagogie en fabrication additive à l'UTBM, donc Monsieur Gomez en fait partie, mon collègue Isha Zhang aussi, Frédéric Demoli, Sébastien Roth, je dirais, je ne vais pas faire une liste exhaustive, il faut que ça soit trop long. Le but, c'est de préparer aujourd'hui nos ingénieurs de demain avec de l'industrie dite 4.0, de la cobotique, intégrer vraiment, faire une pièce, oui, faire une pièce comment, la pièce comment la faire pour qu'elle s'intègre après au mieux, je dirais, dans la chaîne de valeur. Bien entendu, la formation par la pédagogie passe aussi avec la R&D d'un industriel expert dans le domaine, donc l'UV, donc MA51 fait intervenir, bien entendu, ils sont sur place, mais pas parce qu'ils étaient sur place que je les ai fait intervenir, donc Alex Sivion et Jean-Jacques Bertrand de BB Proto, un bureau d'études qui est localisé sur Belfort, qui est Inventis, quelqu'un qui est spécialiste en fonderie de PSA à Mulhouse, et un intervenant d'Adobe Solutions pour le procédé de fusion par électron, parce que
on sait des choses, mais on ne sait pas des choses aussi bien que nos externes. Alors, structuration, bien entendu, de l'UV se fait sur un semestre afin de couvrir les besoins en connaissance des étudiants. Donc, il y a une suite. On a 51 SCP 55 au printemps, on a 51 en automne pour avoir une continuité de formation tout au long de l'année, donc sur un an de nos ingénieurs, par rapport à un domaine, bien entendu, qui évolue très rapidement. Si vous prenez les chiffres de la fabrication additive aujourd'hui, et ils seront plus valables en janvier, ou je dirais qu'ils seront plus valables demain. Voilà. Alors, le synoptique de cet UV, fabrication additive à impression 3D, la philosophie générale, l'idée, l'ADN général de cet UV, c'est penser, concevoir et réaliser autrement. Alors, c'est une formation qui est ouverte, je dirais, à tout un ingénieur. Formation pour les nouvelles technologies, je dirais 3D métal et polymère, afin de renforcer, bien entendu, un lien entre la structure et la propriété des pièces. Oui, on va faire la pièce, on va l'imprimer comme ceci, comme cela, comme cela. Qu'est-ce que ça en rapport ? On aborde aussi les problèmes de la conception, je dirais, comme l'a dit Alexis, pour la fabrication additive des pièces mécaniques, la problématique de la finition des pièces. Est-ce qu'on doit la sabler ? Est-ce qu'on doit la poncer ? Est-ce qu'il faut la finir par électrochimie ? Au travers de la pédagogie, bien entendu, je veux et j'exige des étudiants qui soient formés à la rédaction d'articles scientifiques pour enfin améliorer leur niveau d'anglais, pour faire de la formation par et pour la recherche, pour qu'ils ne se trouvent pas en entreprise plus tard, qu'ils aillent faire un semestre à l'étude à l'étranger, puis qu'ils découvrent un article scientifique, je dirais comme une poule qui découvrait un œuf. Donc, je l'ai déjà dit, on a des interventions externes avec des experts du domaine, attestant de leur expérience face à une problématique donnée où, je dirais, ça va être un puissant fond de connaissances. Alors, le but global, on travaille sur des cas de pièces, je dirais, réelles, en lien, bien entendu, avec les procédés qui sont disponibles au Fab Lab, disponibles à la plateforme Titan ou disponibles chez d'autres confrères. Découverte de logiciels dédiés comme Cura, Magix, bien entendu, des logiciels de conception ou du Solid Thinking, comme de l'optimisation topologique fait par Inventis. Bien identifier les risques lors d'une fabrication. Donc, pour ça, ils se font la main sur les machines où ils viennent demander conseil. Et bien entendu, on peut, je dirais, grâce à des projets, parfaire leurs connaissances en élaboration. Comme disait Alexis tout à l'heure, j'ai déjà vu sur nos machines fil élaborer des cubes. Alors, les cubes, on achète une barre, on coupe, on surface vite fait, puis c'est fini, quoi. À moins que si le cube le faut, je dirais, la veille pour le lendemain. Et ils élaborent des pièces à travers, donc je dirais, les travaux pratiques et leur projet d'UV qui peuvent être couplés avec d'autres à travers des dépôts de fil fondu, de l'impression 3D en résine, le procédé Adam donc, qui est là depuis peu, et donc c'est un fil composite chargé de poudre métallique, voire aussi travailler sur des pièces issues de microfusion laser sur 8 poudres. Donc, je dirais l'autre but aussi, c'est d'établir un lien, parce que certains me disent oh, monsieur, on conçoit la souris, on y va, mais quand qu'il faut passer au réel, bon, on n'a plus personne. On parlait tout à l'heure de reproductibilité d'un procédé étudié. Ça, étudié dans les UV, j'aide aussi les doctorants qui travaillent là-dessus, et on analyse bien entendu tout ce qu'est les matériaux, les choses comme ça, où on évalue la pertinence des solutions proposé pour une solution 3D, car je vous le rappelle, en impression 3D, tout n'est pas réalisable. Alors, qu'est-ce qui doit justifier d'une pièce réalisée en fabrication additive ? Ben, ils vont me le dire, on les aiguille, on décide de la fabrication additive ou pas pour des pièces prototypes professionnelles, et on défend aussi en lien des projets avec la recherche que les étudiants peuvent aller chercher des industriels ou que des industriels viennent à l'UTBM en disant ils frappent à la porte en disant écoutez, j'ai un problème. On réalise des projets industriels innovants, je dirais, et ça permet de faire avancer les étudiants, de les faire travailler sur un sujet concret où ils ont des jalons à rapporter sur l'industriel via un petit contrat, je dirais, qui nous permettent aussi, je dirais, de mettre un peu de beurre dans les épinards. Je ne l'ai pas mentionné ici, mais on a toute une partie aussi fabrication continue qui tourne, hein, Stéphane, parce que grâce, je dirais, à des liens qui se sont tissés entre Bébé Proto, l'AFPA Mulhouse ou des choses comme ça, il y a de la formation continue, donc c'est possible de faire de la formation continue sur un cahier des charges bien précis ou des formations continues à la carte en passant par le service continu de l'UTBM en expliquant sur quoi vous voudriez être formé. Hop là. Donc, le but aussi, c'est
pour sortir nos étudiants. Après, généralement, après avoir suivi la pédagogie, ils partent en stage. Le but, c'est dans une entreprise, c'est devenir un chef de projet qui se respecte en disant, écoutez, voilà, j'ai appris ça. Comment on y va ? Ben, on peut y aller comme ça pour être vraiment conseiller les entreprises. Donc, bien entendu, leurs projets qu'ils peuvent faire, ils les conduisent en lien avec d'autres projets pour une certaine mutualisation des moyens ou avec entre filières par rapport à un qui va s'occuper de la modélisation, de la conception, des matériaux et puis de la mécatronique, par exemple. Et bien entendu, le but pédagogique, c'est de sensibiliser nos étudiants en lien avec la recherche pour essayer de faire de bons étudiants et surtout d'essayer d'accrocher les enseignants d'université, c'était les doctorants, je dirais, ou les thésards d'hier. Moi, le premier, M. Gomez aussi, et M. Vion, mais il n'a pas fait de doctorat, mais il est aussi, il sort de l'UTBM. Et le but aussi, c'est d'ajouter, je dirais, une fonctionnalité par rapport à ça, je dirais, à une pièce 3D pour devenir 4D. Alors, comment ça se passe? Quel est le but, je dirais, au niveau de la recherche de COM là-dessus? Nous allons y venir. C'est la pression 3D composite. Actuellement, beaucoup de machines sont monomatières ou multimatières, mais l'avantage, c'est que ces technos s'appuient sur une seule caractéristique, par exemple une caractéristique mécanique. Pourquoi pas avoir l'idée de fabriquer des pièces pour un usage multiple de formes complexes irréalisables autrement. Donc, je dirais, cette pièce qu'on peut élaborer directement sans outillage à partir d'une maquette numérique, on peut très bien imaginer une pièce 3D composite qui n'aurait pas de perte de matière ou qui serait faite grâce à une reconstruction 3D de pièces au départ. Donc, le contexte, comme l'a dit Alexis Vion, on a une fusion métal, on va reconcevoir et fabriquer une pièce qui va être noyée dans un lit de poudre, donc une pièce monomatière qui est, je dirais, orientée qu'à ses propriétés mécaniques. D'un autre côté, on va avoir de l'impression FDM, on va faire du plastique, de l'ABS, du PLA, soit du nylon chargé, quoi que ce soit. Pourquoi pas trouver une alternative de faire des matériaux chargés en poudre métallique? Et bien entendu, grâce à ça, se procéder à différentes successions d'étapes qu'il va falloir notamment maîtriser. Ce procédé est le procédé Adam, où on a comme toute impression la préparation de l'impression. Mais comme on imprime un matériau, je dirais composite, où on a une base polymère ou une base cire ou une base résine, ce matériau qui est chargé également en poudre métallique, suite à des étapes de déliantage puis de frittage, on va pouvoir récupérer une pièce métallique. Certes, avec les problématiques de retrait qui existent, mais on va récupérer une pièce métallique et ainsi, on s'affranchit des problèmes de soudabilité du matériau, mais bien entendu, on ne s'affranchit pas de la problématique de la pression au fil au niveau de cette techno. Et l'idée, bien entendu, un axe fort, je dirais, du département de recherche ICV-ECOM, c'est de s'intéresser à la maîtrise des matériaux précurseurs, et notamment aux étapes de déliantage-fêtage, pour avoir, je dirais, la maîtrise des matériaux en fabrication de poudre métallique, pourquoi pas, par concurrencer loin de là nos confrères, mais faire différemment et imaginer pourquoi pas mettre une poudre métallique A, B, C, D dans un fil ou un mélange de poudre pour essayer d'accéder à cette quatrième dimension pour que la pièce s'adapte en fonction, je dirais, des formations en fonction de la température, dilatation, réaction soumise à une sollicitation par exemple électrique ou électromagnétique pour avoir des impressions multimatériaux et multipropriétés pour faire ce qu'on appelle des smart materials. Donc on ajoutera une nouvelle dimension à la 3D, on parlera de l'impression 4D. Donc ça va être l'étude dans un projet qui est actuellement en cours au niveau d'ICV-ECOM, qui est le projet PAN, où on va recevoir, je dirais, où il y a un appel d'offres qui a été fait pour fabriquer des fils fourrés directement composites pour pouvoir les imprimer ensuite et étudier les fonctionnalités, ou alors qu'on nous dise, il faut mettre ce matériau-là, ce matériau-là, ce matériau-là. Donc, c'est les confrères modélisateurs qui vont me le dire
pour préparer le matériau pour accéder à une certaine fonctionnalité. Voilà. Donc, je vous remercie pour, votre écoute. Et je vais laisser la parole donc à mon collègue Samuel Gomez qui va vous parler de la fabrication additive à l'impression 4D, le point de vue de la conception. Très bien, merci Lucas. Donc, on n'a pas beaucoup de temps. Donc, ma présentation, même si elle est un peu longue, il y a beaucoup d'images, donc je vais essayer d'aller vite. Donc, l'intitulé, c'est de dire comment faire de la conception pour la fabrication additive, qu'elle soit 3D ou 4D, puisque on considère que c'est un des éléments importants. Mais avant, il est important de préciser qui nous sommes. Donc, nous faisons partie du laboratoire ICB, laboratoire interdisciplinaire Carnot de Bourgogne, qui est basé sur toute la grande région Bourgogne-Franche-Comté et qui a un site à Sévenan, donc c'est un laboratoire associé au CNRS, qui au total est un laboratoire de 304 personnes. On va retrouver des spécialistes de la photonique. Photonique, c'est des éléments qui vont nous aider pour la polymérisation, par exemple, de résines photosensibles. On va retrouver des spécialistes de procédés métallurgie, durabilité, des interfaces, des nanosciences, même du contrôle quantique. Et nous, nous sommes le 6e département, nous avons intégré en 2017 lors de la restructuration de la recherche à l'UTBM. Alors, au sein du département COM, nous avons une particularité qu'on partage avec le département PMDM sur les matériaux, les propriétés et la durabilité. On indexe beaucoup d'axes issus du processus autour de la fabrication additive. On est capable d'adopter une approche globale. Alors, j'ai mis en cerclage rouge tous les points où nous, comme on est très impliqués, en pointillé, où c'est plutôt les collègues, enfin, où c'est nous sommes impliqués, mais les collègues, ils sont beaucoup plus, et enfin, pas du tout, comme nous n'y sommes pas du tout. Alors, typiquement, on a une problématique de conception pour la fabrication additive. On parlera de conception additive pour la fabrication additive, et on parlera de conception soustractive pour la fabrication additive. On a des problématiques, on attaque des problématiques de numérisation, modélisation, optimisation numérique. On a des problématiques, on va travailler sur des matériaux, des nouveaux matériaux. PMDM va être plus sur les matériaux métalliques, et nous, on va plus se positionner sur des polymères, voire les matériaux intelligents. On va avoir des problématiques de fabrication additive de process, que ce soit du SLM, du FDM, de la DAM, du LDM, du plasma formage, par exemple. Mais on a également des problématiques de caractérisation mécanique et physico-chimique, mais nous, on a une particularité, on veut faire la caractérisation vibro-acoustique. Et ensuite, tous les post-traitements qui sont faits à PMDM, avec un dernier point qui est la partie capitalisation des connaissances en utilisant des technologies issues de l'intelligence artificielle, qu'elles soient connexionnistes ou sémantiques. Alors, plusieurs méthodologies chez nous sont développées si on se focalise uniquement sur la partie conception. En gros, je vais me focaliser uniquement sur la bulle numéro 1. Donc, je ne vais pas trop rentrer sur les autres bulles, c'est pour vous dire l'étendue un petit peu des chantiers et plusieurs de ces bulles sont abordées au sein du laboratoire. Si je me focalise uniquement sur la conception pour la fabrication additive développée au sein du labo, on peut avoir ce qu'on qualifie de conception soustractive pour la fabrication additive, de la conception additive pour la fabrication additive et le dernier volet qui est un peu plus futuriste avec des technologies un peu plus à horizon 5 à 10 ans qu'on appelle la conception pour la transformation pour l'impression 4D. Alors, dans le premier cas, on va travailler avec des outils que vous connaissez, des outils de modélisation numérique à base d'optimisation topologique. D'ailleurs, on crée le bloc de matière et on met les contraintes. On essaie de voir, là, il n'y a pas de contraintes, on enlève la matière. Donc, c'est ce qu'on appelle la conception soustractive pour la fabrication additive. La conception additive pour la fabrication additive, c'est de nouvelles méthodes où lorsqu'on considère qu'il y a plusieurs flux à intégrer, parce qu'actuellement, sur une optimisation topologique, on n'intègre que des flux mécaniques. Lorsqu'il y a plusieurs flux à intégrer, il faut développer de nouvelles méthodes. Et enfin, le troisième volet, c'est la conception pour la transformation, pour l'impression 4D, qu'on abordera un peu plus tard. Donc, classiquement, vous connaissez la conception soustractive, c'est ce que j'ai montré tout à l'heure. Voilà, on obtient des pièces avec des formes un petit peu, on va dire, végétales ou inspirées du vivant, où les efforts, on va mettre de la matière là où les efforts ou les contraintes sont répartis pour pouvoir faire des économies de matériaux. Mais également, par contre, les procédés conventionnels d'usinage ont beaucoup de difficultés à réaliser ce genre de pièces. On utilise également des problématiques autour des mésostructures, ce qu'on appelle des structures lattices, ou comment dessiner des structures alvéolaires qui vont assurer la rigidité tout en permettant d'avoir de la légèreté, qui peuvent être soit monomatériaux, soit multimatériaux, ou encore qui peuvent avoir plusieurs fonctions, ces structures lattices, typiquement ici pour aider à refroidir un moule en créant un échangeur thermique au sein même du moule et faciliter l'évacuation des calories pour réduire les quantités. Alors, on a également des problématiques liées au post-traitement. Si je prends par exemple ce manifold, ce distributeur, en conception initiale, on prend un bloc et on fait des trous dedans et ensuite on essaie de les boucher
pour pouvoir canaliser les flux avec tous les problèmes de perte de charge. On s'est dit, mais comment travailler uniquement en réfléchissant au niveau des flux, en intégrant les problématiques thermiques, en décidant des solutions et en mettant autour des formes de structures lattice qui peuvent inspirer du vivant et permettre également, mais qui, du coup, par les procédés classiques, seront infabricables, par exemple. Les structures ici, on a des exemples de structures qu'on appelle des Voronoi. Alors, on attaque le deuxième axe, qui est la conception additive pour la fabrication additive en conception 3D. Alors, on se pose la question, on se dit, mais en fait, très souvent, on a un problème d'interface, on a une interface fonctionnelle 1 et on a une interface fonctionnelle 2. Et on se pose la question, comment doit-on transférer l'énergie, les informations, les efforts, l'énergie mécanique, électrique, etc. Donc, on dispose d'un espace de conception et on doit transférer des flux fonctionnels qui peuvent être mécaniques, thermiques, matières, électriques, informations, par exemple. Donc, on a développé des méthodologies. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est juste pour se poser la question, est-ce que la fabrication additive est la bonne méthode lorsqu'on a une pièce à concevoir? Si oui, sinon c'est un procédé conventionnel. Si oui, on va se poser plein de questions avec des experts et des opérateurs qui vont faire les pièces. Donc, en fonction du niveau de maturité croissant, on pourra soit uniquement changer de procédé, on prend exactement le même cube tout à l'heure, ça a été évoqué par Alexis Vion, et plutôt que de l'usiner par une machine conventionnelle, bon, on va le fabriquer par procédé de fabrication additive. Vous conviendrez que cette démarche n'est pas du tout optimale, puisque on n'a presque rien gagné. Tandis que si on change à la fois de procédé et de matériaux, on peut améliorer les performances du produit, on peut aussi optimiser les formes, comme ça a été évoqué, ou alors on peut faire de la conception pour la fabrication additive, la conception additive. Alors, conception additive pour la fabrication additive, lorsqu'on met un simple flux mécanique, ça se réduit à l'application de cette méthodologie-là. On identifie les contraintes d'assemblage, on identifie les surfaces fonctionnelles, les squelettes fonctionnels. Bon, là, c'est l'exemple d'un étau. Uniquement flux mécanique, on peut travailler comme ceci et on crée de la matière, de la matière qui va assurer la rigidité pour pouvoir construire l'étau. Vous conviendrez que cet étau-là a une forme complètement inattendu par rapport à ce qu'on aurait pu obtenir soit en conception classique, soit en faisant de l'optimisation topologique. Alors, si on pousse un petit peu plus loin en disant, d'accord, pour les flux mécaniques, en fait, ça ne change pas grand-chose. En fait, c'est intéressant lorsqu'on commence à avoir d'autres flux que des flux mécaniques. Par exemple, si j'ai un flux de matière, par exemple un fluide, ou alors si j'ai un flux électrique. Un flux électrique se pose la question, comment je vais faire passer ces flux à l'intérieur? Donc, on va être obligé d'utiliser de nouvelles méthodes, de nouveaux outils, tels que qui sont complètement différents des outils de modélisation géométrique classique, CAO. Un outil de CAO aujourd'hui ne peut pas dire « je veux transformer une feuille en sphère ». Donc, le morphing, il ne connaît pas. Donc, il faut utiliser de nouveaux outils, dont certains pour lesquels nous apportons des développements. C'est des outils qui sont fullement paramétrés et qui permettent de créer des motifs qu'on peut reproduire avec un contrôle mathématique du comportement. Alors, si on prend un exemple, typiquement, ici, on a ce qu'on appelle un Joy of Life, c'est donc une pince de désincarcération. Imaginez que cette pince de désincarcération, maintenant, on a des véhicules qui sont électriques, voire hybrides, se pose la question de comment savoir s'il n'y a pas un court-circuit quelque part et on ne risque pas d'électrocuter l'opérateur. Donc, on a une problématique où on va avoir un flux mécanique, à savoir, il faut assurer les efforts. On va avoir un flux de matière, c'est-à-dire qu'il faut transférer un effort hydraulique de fluide qui va appuyer sur un piston. Il y a également un flux électrique, puisqu'on va être amené à mesurer en temps réel la conductivité électrique ou les mesures en arc électrique qu'on pourrait avoir, soit en voltage, en intensité, par exemple. Donc, cette approche-là nous a amené, en appliquant la méthode de conception additive pour la fabrication additive, à obtenir des formes qui auraient été très, très compliquées, voire inimaginables à générer de manière intuitive. Alors, ces formes, on équipe de cette pince de capteurs et on fait passer les informations à travers la structure interne en faisant du multimatériau, par exemple. Alors, maintenant, si on ouvre des perspectives, on peut se poser la question de quelle est l'équipe qui travaille sur ce domaine. Alors, sur la partie uniquement conception pour la fabrication additive, donc on a évoqué les 35 chercheurs et 15 doctorants, nous sommes à peu près 11 chercheurs qui travaillons spécifiquement, les enseignants chercheurs en haut et les collègues doctorants en bas. Donc, ça veut dire qu'il y a de la réflexion à plusieurs niveaux, sachant que ce qu'on veut faire, c'est... il faut changer de paradigme. On est en train de passer, moi, quand j'étais étudiant, on travaillait sur des produits purement mécaniques. Après, un peu plus tard, on a dit que ces produits devaient être mécatroniques. Aujourd'hui, ils vont être de plus en plus connectés. L'étape suivante, si on fait de la prospective, les produits vont être adaptables, transformables, ils vont s'adapter à l'environnement
Par exemple, le collègue Alexis Vion va nous dire, ben, moi, je veux faire, j'ai une commande pour faire une prothèse de hanche. Très bien, je fais la prothèse de hanche, je l'implante. Très bien, elle fonctionne. Mais en fait, que se passe-t-il si jamais cette prothèse de hanche est pour un enfant jeune qui peut avoir 10 ans? Ben, soit on le repère plusieurs fois, soit on peut se débrouiller pour développer une prothèse de hanche adaptative qui va grandir avec lui et qui, sous l'effet du temps, va être amené à s'allonger sans perdre ses propriétés mécaniques. Donc, en fait, la question, c'est, ben, on est passé de la 1D à la 2D à la 3D. Se pose maintenant la question de la transformation. C'est ce qu'on appelle la problématique d'intégration du temps, mais avec la contrainte de fabricabilité par impression 3D. Alors, les premiers éléments de 4D printing sont apparus aux États-Unis il y a à peu près 8 ans. C'est Skylark Tibbitt qui nous a fait cette octaèdre tronquée, auto-repliable, qui va se déformer dans le temps par action dans une immersion dans de l'eau, à partir de l'eau chaude. En fait, quels sont les marqueurs de cette impression 4D? Parce que le domaine, ça nous amène à un domaine hyper complexe. Je vous évoquais tout à l'heure qu'on était dans des systèmes mécaniques. Ben, on va évoluer vers des systèmes intelligents. On utilisait avant de la fabrication conventionnelle par enlèvement de matière, on va être en fabrication additive. On avait des matériaux conventionnels et on va de plus en plus vers des matériaux intelligents. Je ne veux pas être trop utilisé le terme intelligent, mais on va dire réactifs, hein, qui réagissent à un environnement ou à des stimuli. On va avoir des calculs qui avant étaient intégrés dans le système ou alors délocalisé. Là, on encapsule l'intelligence, on parle d'intelligence augmentée. Et avant, on avait des composants inertes ou motorisés. Là, on va avoir des composants transformables. Et en fait, la complexité, c'est de se rendre compte que l'impression 4D, elle doit agréger toutes ces problématiques en même temps, ce qui traduit bien que le domaine est très complexe. Alors, je vous donne un exemple uniquement très simple. On ne va pas regarder la vidéo en entier. Mais là, on va utiliser des fleurs faites à partir de composites, à partir de matrices hydrogène. Donc, c'est la manière dont on va imprimer la pièce qui derrière va nous donner le comportement souhaité. Donc, j'avance un petit peu pour montrer le taux d'avancement de la forme. Donc, l'idée étant, ici, c'est une matrice cellulose avec de l'hydrogène. On va travailler sur des effets un peu bilames et la manière dont on va déposer l'hydrogène va apporter le comportement souhaité. Alors, lorsqu'on plonge cet objet dans de l'eau chaude, on y arrive, voilà, elle va avoir, le processus de transformation va se mettre en place. Et on va avoir cette transformation telle que vous pouvez la visualiser. Donc, action d'un stimulus. Et en fait, on a ici des comportements. Vous avez vu, ça courbe, ça twist, ça tourne. En fait, la manière dont on va imprimer cet hydrogène avec la matrice va donner la forme finale. Alors, qu'est-ce que ça veut dire l'impression 4D? C'est l'impression 3D plus le temps. Ou alors, ça peut être conçu également comme l'impression 3D et une transformation. On utilise les principes de fabrication additive, en partie ou totalement, mais on utilise également des matériaux intelligents. On cherche des propriétés, des capacités à changer d'état et on va essayer de voir si le système, on va lui modifier ses composants, ses comportements à partir de plusieurs stimulus ou des stimuli qui vont être soit la température, la vibration, le courant, ça peut être la lumière également, ça peut être un champ magnétique, etc. Et là, on va essayer de les appliquer par des procédés de fabrication additive parce que certains procédés ont l'obligation d'utiliser cette démarche de fabrication additive. Alors, si on regarde ces relations qu'on peut trouver entre l'entrée, quel est le stimuli qu'on a, est-ce que c'est de la lumière, quelle sortie on peut avoir, on va chercher un effet photochromique, un effet photoluminescent lorsqu'on veut impacter un effet sur la lumière ou un effet photomécanique pour une déformation ou un effet photovoltaïque pour un champ électrique, par exemple. À partir de tous ces croisements, donc il y a beaucoup de connaissances qui sont encapsulées, à partir de toutes ces connaissances, l'objectif est de pouvoir jouer de manière opportuniste entre l'apparition d'un stimulus et le comportement qu'on souhaite. Alors, ce comportement, il peut être une transformation géométrique, qui peut être soit une adaptation, un changement de forme, soit un déploiement, un effet d'accordéon ou de parapluie, soit une transformation complète, hein, on prend un effet transformant comme ici, mais ça peut être également des changements de propriété. Ça ne peut être pas uniquement la changement de forme, ça peut être des changements de propriété, un matériau qui était isolant devient conducteur, un matériau qui était d'une couleur donnée se change de couleur, etc. Donc, il y a plusieurs auteurs qui ont commencé à travailler, en particulier le collègue de Georgia Tech, en utilisant des principes d'origami. Il faut plusieurs procédés, on va polymériser à certains endroits, on va mettre des fibres à d'autres, etc., etc. On va faire des ajouts de matériaux avec des effets recherchés pour pouvoir avoir des effets ici. Donc voilà, en effet, d'agrippage sur un comportement. On peut aussi avoir travaillé beaucoup sur des problématiques d'origami. On va étudier des patterns, des formes qui vont se déformer d'une certaine manière avec des parties inertes et des parties actives qu'on active soit
de manière extérieure par une température, ou soit pour lequel on encapsule les composants électroniques à l'intérieur pour pouvoir générer cette activation. J'évoquais tout à l'heure le changement de forme, mais ça peut être aussi un changement de couleur. Et ça, c'est l'exemple qui est donné ici avec un matériau qui est imprimé de manière thermochromique. Alors, un exemple, ça c'est la thèse qui va se soutenir donc le 18 décembre prochain, si ça vous intéresse. Donc, avec le même pattern de forme, en fonction des séquences d'assemblage, on peut obtenir deux formes différentes. La manière dont on plie, dont on va gérer les matériaux qui vont être utilisés comme matériaux actifs, qui vont être activés, on peut obtenir deux formes différentes. Alors, ces matériaux-là, on parle souvent de processus one-way, c'est-à-dire quand on part de l'état A à l'état B, il est très difficile de revenir à l'état A. D'autres matériaux le permettent et créent le système qui peut être une transformation bijective. Là, par exemple, c'est les travaux de nos collègues de Gerici à Georgia Tech avec qui nous sommes en partenariat. On va travailler pour réfléchir comment placer les matériaux actifs par rapport aux matériaux inertes pour pouvoir obtenir un comportement idéal. Alors, ça, c'est une des premières essais qu'on a fait il y a 3 ans aujourd'hui, où quelque part, voilà, on a mélangé deux procédés, on a mélangé deux matériaux actifs, un matériau thermochromique et un matériau à mémoire de forme. Je vais revenir un peu parce qu'il ne semblait pas voir ça. Donc, initialement, voilà. On souhaite, voilà, le matériau était bleu, de couleur bleue, on le met à température élevée, il devient blanc et en même temps, il change de forme pour obtenir la forme de l'état B souhaité. Lorsqu'on refroidit ce matériau, donc je vous ai évoqué, autant le thermochromique est B-way, autant l'alliage, enfin le polymère à mémoire de forme, il est one-way, il faut le réchauffer, le recontraindre pour qu'il reparte à sa forme initiale. Donc, est-ce qu'on va le remettre à nouveau, voilà, dans l'eau froide. Donc, la couleur revient, mais pas la forme initiale. Donc, tout ça pour vous montrer, donc, de manire opérationnelle, nos premiers essais que nous avons réalisés il y a 3 années sur la pression calcaire. Alors, si je continue, on a des premiers cas d'application. Je vous ai évoqué qu'il faut développer des nouveaux outils logiciels. Alors, BMW Next 100 a sorti un proto il y a 2 ans qui met en place un peu ces nouvelles technologies sur des élargisseurs de DEL en particulier. Donc, c'est le principe de la transformation. On a des problématiques de satellites à base d'origami qui vont se déployer. Alors, à quoi ça va servir? Plutôt que de créer des moteurs pour pouvoir replier les panneaux en cas de sortie de la coiffe, mais également par la suite en cas de débris spatiaux, l'idée, c'est à chaque fois que les matériaux actifs vont rencontrer l'énergie solaire, ils vont se replier et on va protéger le satellite. L'objectif étant de l'imprimer sur place, parce que plutôt que d'envoyer des pièces détachées en cargo, l'idée c'est d'envoyer une imprimante avec tous les stocks de matériaux intéressants à mettre en place. En guise de conclusion et perspective, après la 4D, figurez-vous, certains chercheurs préparent la 5D. En fait, c'est après la transformation, c'est la vie. Donc l'idée étant de mettre en place des matériaux qui vont être dotés de vie. Donc on parle de plus en plus de bioprinting. D'autres éléments également, c'est que c'est de la caractérisation. Il faut également aller vers de la caractérisation de pièces. On a fait des comparatifs, on fait de la caractérisation vibro-acoustique, on fait des comparatifs entre une pièce imprimée en 3D et une pièce usinée par les méthodes conventionnelles, le but étant d'identifier les porosités, les mini-craquelures, par exemple, qui pourraient nous permettre de prédire le comportement de la pièce sans avoir à la casser. Voilà, quelques partenaires nationaux et internationaux. Donc, on collabore activement avec le professeur Jean-Claude André, qui est ni plus ni moins que l'inventeur de l'impression 3D lorsqu'il était au CNRS, et pour lequel on a 7 brevets en dépôt sur l'impression 4D qui sont actuellement évalués par le CNRS, et également des collaborations internationales plutôt américaines avec Wayne State University, Georgia Tech et l'Université de Colorado à Denver. Voilà, je ne sais pas si j'ai complètement explosé le temps, mais j'ai peut-être parlé un peu vite, mais ça a permis au moins d'essayer de rattraper un peu le retard. Voilà, on est un peu à votre disposition, Lucas et moi, pour répondre aux questions. Merci. Ah, merci, messieurs. Je ne sais pas s'il y a une question. On pourra toujours revenir s'il nous reste un petit peu de temps à la fin. Alors, on va enchaîner avec Stéphane Friedlans, donc qui va nous présenter donc une formation de l'AFPA Mulhouse. Voilà, je te passe la main, Stéphane. Merci.
OK, donc je me présente, Stéphane Friedelhans, je suis formateur en fabrication additive à l'AFPA de Mulhouse. Donc là, je ne sais pas si tout le monde connaît, l'agence de formation professionnelle pour adultes, c'est une entreprise, un organisme de formation professionnelle plutôt, qui a été créé pour former les adultes. Donc, et qui dispense différents types de formations qualifiantes, certifiantes, reconnues par le ministère du Travail. Donc, nos stagiaires sont en majorité des personnes en recherche d'emploi et ou en reconversion professionnelle. Et on a aussi des entreprises qui envoient leurs salariés pour faire des formations. Donc, les centres AFPA en France, il y en a un petit peu partout. On en trouve dans toute la France. Et par exemple, à Belfort, quand vous sortez de l'UTBM, vous tombez directement sur le site AFPA qui se trouve juste à côté. Alors, concernant la fabrication additive, la formation qu'on appelle TSFA 3D, technicien supérieur en fabrication additive. Donc, c'est une formation d'une durée de 1200 heures, donc quasiment 8 mois, dont 2 mois de stage en entreprise. Et on a 4 centres en France qui dispensent cette formation, donc en mode incubateur. Alors, il y a déjà eu sur Vénissieux, donc du côté de Lyon, ça a été lancé là-bas. Ensuite, sur Toulouse. En troisième, Mulhouse. Et en fin d'année, début d'année prochaine, on aura sur Maubeuge. Donc le titre, c'est vu que ce ne sont pas l'enseignement comme dans les universités, ce ne sont pas des diplômes, ce sont des titres qui sont décernés par le ministère du Travail et pas le ministère de l'Éducation. Donc, étant donné qu'on est en mode incubateur, le titre n'a pas encore été créé. Il devrait l'être soit dans l'année qui vient, soit dans l'année suivante. Il sera rétroactif. Donc, les stagiaires qui ont eu l'attestation, comme quoi ils ont passé le diplôme chez nous, ils auront ce titre qui leur sera décerné. Alors, le contenu de la formation dans les grandes lignes. Alors, on va chercher à connaître un petit peu, à apprendre les principales technologies utilisées dans l'impression 3D, un peu tout ce que nous a présenté Pierre en première partie, histoire de savoir pouvoir faire des chiffrages précis en fonction des besoins. Un client qui viendra avec un cahier des charges particulier, on l'orientera plus facilement vers de l'impression laser ou résine ou FDM, suivant ce que doit faire le cahier des charges, le contenu de la pièce, etc. Donc, on va avoir toutes ces caractérisations. Également, il faudra que les stagiaires apprennent à dessiner des pièces sur des logiciels CFA. Donc, le principal, ça sera SOLIDWORKS. On va aussi étudier 2-3 petits logiciels annexes, du FreeCAD, OpenSCAD, Fusion 360. On va faire de l'optimisation paramétrique et topologique, et aussi faire de la rétroconception de pièces à partir d'un scanner 3D, par exemple. Donc là, on voit sur l'écran, par exemple, un petit peu d'optimisation ou d'études de FEM ou des choses comme ça. On va aussi chercher savoir comment est-ce qu'on imprime une pièce, donc maîtriser le paramétrage des différentes machines. Sur une imprimante dépôt de fil, ça ne sera pas du tout pareil que sur une imprimante résine, ni sur une fusion laser. Comment faire pour sortir des pièces unitaires, des séries de pièces. Donc aussi voir avec des éprouvettes, etc. Voir tous ces paramétrages-là. Également, connaître les matériaux. Donc, on va voir principalement PLA, PETG, ABS, du flexible, du soluble. Après, on pourra voir, pourquoi pas, des matériaux chargés, fibres de verre, fibres de carbone. Donc, quelles sont les caractéristiques de tous les matériaux? Si on recherche plus de la souplesse, à ce que le matériau soit élastique, ou plus à ce qu'il soit vraiment très dur. Donc, on verra tout ça. Bon, également, tout ce qui est en sécurité, port des EPI, tout ce qui est CHESCT, toutes ces choses-là, en fonction également des matières utilisées, parce que de la résine ou de la poudre nylon, on va quand même se protéger,
Et tout ce qui est la présence de laser, par exemple, dans une impression poudre ou dans une impression résine. Donc, il faut faire attention à toutes ces choses-là. Tout ce qui est toxicité des résines, de la poudre. Donc, on va énormément travailler aussi sur ces aspects. Donc là, par exemple, sur la présentation, à gauche, c'est quand on sert de notre imprimante à fusion laser. Donc voilà, les stagiaires sont entièrement équipés, des masques, lunettes, la surblouse, les gants. Au milieu, c'est simplement du dégrappage de pièces. Mais bon, dégrappage de pièces, on a toujours des petits morceaux de plastique qui peuvent voler. Donc voilà, on les forme bien là, aux gestes, bien mettre les lunettes, faire attention, pourquoi pas prendre des gants anti-coupure, etc. Là, sur la droite, c'était quand on était en impression métal avec nos collègues de l'UTBM. Donc, pareil, protection maximum, bien faire attention, geste de sécurité. Pour que quand nos stagiaires vont se retrouver en entreprise, qu'ils aient effectivement les bons gestes, qu'ils sachent se protéger, quoi. Alors, ce qu'on a eu la chance de faire également, c'est d'aller faire une petite visite d'une semaine à l'UTBM, où Alexis de BV Proto et Lucas nous ont formés pendant une semaine, nous ont permis de voir comment ça se passait en fabrication additive métallique. Et on a fait un peu de pratique également sur les machines. Donc, notre parc machine sur Mulhouse, et c'est quasiment le même également sur les quatre autres centres, les trois autres centres, pardon. Donc, tout ce qui est un dépôt de fil, on a une petite volumique, String 30 MK2, une très bonne machine. Une RES 3D, donc bonne machine professionnelle également. Et deux Alto 333 chez Open Edge Alchemy, là qui sont des machines industrielles. Donc, c'est quand même quatre machines relativement coûteuses et qui nous donne de très bons résultats. On parlait tout à l'heure, c'était Jean-Marc qui demandait concernant la reproductibilité, ou alors Michel, oui, c'était Michel qui demandait la reproductibilité sur ce type de machine. On réussit facilement à avoir de très bons résultats, quoi. Ce ne sera pas comme sur une petite machine chinoise. On aura quand même de bons résultats, on reproduira pas mal de fois la même pièce avec les mêmes tolérances, quoi. Sinon, côté résine, tout comme le Crunch Lab et Survenant, on a les machines Formlabs, donc une Form 3 avec l'équipement, le Form Wash pour nettoyer les pièces et le Form Cure pour passer au four UV, on va dire, pour durcir les pièces. Et on a également une ProDuez P1000, donc une machine de fusion laser sur de la poudre en nylon. C'est, je pense, comme celle sur Montbéliard, de l'UTBM. Donc, avec tout l'équipement qui va avec, la station de déballage, le mixeur, la sableuse. Donc, ça, c'est une machine qui coûte quand même 150 000 euros. Donc, on a beaucoup de chance d'avoir ce matériel-là. Et donc, les stagiaires peuvent se former sur la technologie fusion de poudre. Et ensuite, quand on ira sur la fusion laser métallique avec l'UTBM, ils auront déjà des bonnes notions de comment marche le procédé. On a également un petit scanner 3D qui nous permet de faire de la rétroconception. Donc, soit en mode plateau tournant fixe, soit en mode trépied. Voilà, alors fin juin 2019, on a lancé la toute première formation sur le site de Mulhouse avec nos stagiaires, nos premiers stagiaires, notre première session. Ils ont fait en gros 1200 heures de formation, quasiment 8 mois et 2 mois de stage en entreprise, ce qui leur a permis de découvrir un petit peu l'impression 3D vraiment en pratique. Donc là, on les voit avec beaucoup d'exemples en FDM
sur la partie gauche et la partie droite, c'était tout ce qui était fusion sur poudre nylon. Alors, des exemples de réalisation de pièces. On a un petit peu de tout. On a des pièces techniques, des supports écrans, des pièces également, des sortes de clés et autres. Ça, c'est des pièces qui sont en aluminium, mais sur lesquelles on a travaillé pour les recréer en dépôt de fil. Bon, des petits goodies, des petits jetons AFPA, des choses comme ça, pas mal de petites choses. Également, on parlait reproductibilité sur des séries de pièces. Donc, on apprend à faire soit des pièces unitaires, soit des séries pour maximiser la production sur un plateau, etc. Alors, ils sont formés sur la plupart des trancheurs, des sliceurs du marché, afin de pouvoir, quand ils intègrent un stage ou une entreprise, afin d'être à l'aise sur tous les slicers. Parce que vous prenez un Cura, un Slice 3R, un Prusa Slicer, un Simplify, Idea Maker, un ASSL, ben on va voir que quand on cherche une option, par exemple la hauteur de couche ou la largeur d'impression, ben ça ne sera jamais au même endroit suivant les slicers. Donc la grosse difficulté, c'est d'être à l'aise sur quasiment tous les slicers du marché. Donc on va les former sur tous ces slicers pendant quasiment 3 mois sur le dépôt de fil, pour qu'ils sachent vraiment bien se servir de chaque programme. Bon, par exemple, là, sur la droite, c'était les tests, les remplissages, quand on fait du dépôt de fil. Ben, les pièces ne vont pas forcément être pleines. On va faire du remplissage en nid d'abeille, en triangle, il y a toutes ces sortes de remplissages. Et on travaille, par exemple, les différentes densités. Pour une pièce plus artistique, on fera un remplissage assez creux, alors qu'une pièce technique qui doit avoir quand même de la solidité, bah là, on ira vers des pourcentages beaucoup plus élevés de remplissage ou d'autres géométries plus en 3D plutôt qu'en 2D. On va bosser aussi sur tout ce qui est G-code. Donc les G-codes, c'est le langage, les lignes de code qui sont envoyées à l'imprimante pour les déplacements de la tête, le fil qui doit être fondu, etc. Donc pour que les stagiaires puissent également dépanner des machines. Parce qu'on a eu pas mal de stages où les stagiaires devaient soit faire de la maintenance, soit rajouter des capteurs. Ce genre de choses là, et là on doit aller dans le firmware des machines, reprogrammer le firmware, rajouter des lignes de code pour prendre en compte par exemple des nouveaux capteurs, des capteurs fin de filament, des palpeurs. Et on a 3 de nos stagiaires, donc un qui était chez Segula à Technomonde 2 et 2 chez Arianeplast vers Nancy qui ont eu beaucoup besoin de toutes ces connaissances là. Donc, là, dans la maintenance, on n'oublie pas de vraiment voir tout ce qui est programmation de firmware, G-code, etc. Alors, on a travaillé également plusieurs mois sur un projet de bras robotisé 6 axes. On était parti sur un petit robot 3 axes de chez Ortrax. Et les stagiaires ont rebossé ils ont fait de la rétroconception sur les pièces pour rajouter des moteurs, des cerveaux. Donc, ça a donné ce robot-là. On a fait de la programmation de cartes Arduino, un Arduino Mega, pour permettre de piloter le moteur, les différents moteurs qui se trouvaient sur le robot, pour faire un projet quasiment, on est allé quasiment jusqu'au bout du projet, quoi. Donc, ce projet de plusieurs mois a bien été apprécié les stagiaires. On va voir ce qu'on fait la prochaine session. Si on continue, si on refait un robot 6 axes, si on part sur une conception de CNC, ou à voir, on est en train de regarder ce qu'on va faire. Et donc, en février, on a eu la chance de pouvoir passer la semaine au LERMS, donc sur la plateforme Titan, ce que je disais tout à l'heure, où Lucas et Alexis nous ont présenté donc les différentes machines de fusion laser,
Alors, suivant la marque de l'imprimante, bah, ça, il y a beaucoup de changements, suivant que ça soit une marque ou une autre. Donc, on a pu voir trois types de machines différentes. Donc, il y avait de l'OS. On avait pas mal de machines différentes. Donc, les stagiaires ont pu manipuler, bah, remplir les machines, remplir de poudre métallique, changer les joints des racleurs. On a lancé des fabrications de pièces. Et ensuite, les stagiaires ont pu vider les machines. Quoi. Ils ont vu toutes les étapes de conception de pièces métalliques. Quoi. Donc voilà, par exemple, là, c'était une Renishaw, ce qui changeait aussi de l'EOS ou autre. Ensuite, bah, ils ont vu toute la problématique également de la fabrication additive métal. Quand on est sur de la poudre nylon, bon, bah, on sort notre gâteau de poudre, on casse un petit peu la poudre, hein, on enlève les pièces, on les passe à la sableuse. En version métallique, bah, on a les pièces qui sont soudées au plateau. Donc, il y a aussi toute la partie usinage qui est derrière. Là, on voit Lucas qui se sert de la scie à ruban pour décrocher les pièces du plateau. Ensuite, toute la partie fraisage. Donc, ça, c'est une grosse partie qu'on n'a pas forcément sur la version poudre polymère, sur la poudre nylon. Donc, voilà, les stagiaires en AFPA, ben, ils ont pleinement apprécié cette semaine de découverte. Ils sont repartis tout heureux avec leurs petites pièces qu'on a fait ensemble avec Lucas. Donc voilà le genre de pièces qu'on a fait, le plateau de fabrication. Et on espère bien réitérer cette formation à la prochaine session. Quoi. Continuer le partenariat, ben là ça sera peut-être plus Lucas côté UTBM. Mais ce sera avec plaisir qu'on reviendra. Si, c'est pour moi. D'accord. Ah ben avec plaisir. C'est toujours moi concernant la. Eh ben, ça sera avec beaucoup de plaisir qu'on va revenir. Et donc, l'AFPA vient d'adhérer à l'association France Additive. Et ça va nous aider, je pense, à renforcer les partenariats avec les entreprises. Ça, on n'est pas allé au bout de ce qu'on voulait faire la première session. Mais là, on aimerait bien nouer des liens, beaucoup de liens avec les entreprises. Et pourquoi pas aussi ouvrir notre plateau technique. Par exemple, quand des entreprises qui ne sont pas encore lancées dans la 3D, quand elles hésitent encore, bah, elles ne savent pas si elles vont se lancer sur du dépôt de fil, sur de la résine, sur de l'impression laser. Bah, une machine à 150 000 euros comme notre ProdWES, bah, voilà. Une petite PME ne va pas forcément investir là-dedans sans savoir ce que ça lui apporte. Donc, on aimerait bien ouvrir notre plateau technique, proposer aux différentes entreprises de venir nous rencontrer, leur faire, pourquoi pas, différents prototypes dans les différentes technos et les guider pour qu'elles choisissent une techno en particulier. Quoi. Et donc aussi tisser tout un partenariat avec les entreprises, savoir celles qui sont désireuses d'embaucher des personnes ou qui veulent former leurs propres personnes. Et afin de trouver aussi pas mal de débouchés pour nos stagiaires derrière. Bon, ben voilà un petit peu en gros notre formation à l'AFPA, formation de 8-9 mois. Et pourquoi pas, bah pour ouvrir aussi des formations plus courtes d'un mois pour les professionnels en entreprise, faire des versions formations courtes. Donc tout ça, bah c'est ce sur quoi on va travailler pour cette prochaine session, qui devrait commencer normalement mi-février. Voilà, si vous avez des questions. Je laisse la parole aux personnes suivantes. Merci Stéphane. Donc, je ne sais pas s'il y a une ou deux questions. En fait, on arrive au terme de la session. Normalement, on aurait dû avoir Olivier Testot du Fab Lab du Fabrique de Besançon. Et il a eu malheureusement un empêchement, donc il ne pourra pas se joindre à nous.
Donc voilà, on peut échanger s'il y en a qui ont des questions. Je vois qu'il y a une question sur l'impression 4D5D sur le chat. Je sais pas, Lucas, si tu as une piste sur cette question-là. Alors, c'est clair que pour répondre donc à Monsieur Bianchi, contrairement, je dirais, à ce qu'est l'impression 3D maintenant, quand on trace, il y a une courbe qui est représentative de l'engouement. Attendez, je me mets devant la caméra, tout le monde me voit. Il y a une courbe qui est représentative de l'utilité d'une technique qui est la courbe de Hype, H-Y-P-E, où là, on est impression 4D, 5D, pic d'espérance. C'est clair qu'on met un matériau dans l'eau, il se replie, on sort de l'eau, il se déplie. Le premier matériau qu'on a fait en impression 4D, c'était les bilans des fers à repasser. Quoi. On utilise vraiment les procédés. Alors, estimez-vous les premières applications industrielles ou à grande échelle. Là encore, ça à l'étude. On est dans les bas TRL. Hein. Je dirais la genèse de la techno est en bas. Je pense que ça va commencer à arriver sur le marché. Ça, c'est mon avis personnel. Hein. Par rapport à les études qu'il y a à faire maintenant, dans les 5 à 10 ans à venir. Bon, c'est pour ça. Sachant qu'il y a des trucs transversales qui se font entre le matériau 4D, oui, mais le matériau 4D à l'échelle du voxel, à l'échelle de l'atome, à l'échelle de, je dirais, du nano ou même plus que du subatomique. Donc, bon, je pense que c'est dans 5 à 10 ans qu'on commencera à voir les trucs. Sachant qu'à COM, on commence à regarder au niveau du métal. Ça va être un de mes gros chevals de bataille de regarder de l'impression 4D au niveau du métal, donc mettre des voxels métalliques un peu différents pour allier les propriétés des métaux. Voilà. Je ne sais pas si j'ai bien répondu. Stéphane, bien entendu, tu es toujours le bienvenu chez nous. Hein. Merci beaucoup. En tout cas, moi, j'ai trouvé que c'était des échanges très intéressants. On a vu plein de collaborations que je ne connaissais pas même d'ailleurs. C'était très très complémentaire, j'ai trouvé. Je ne sais pas s'il y en a d'autres dans l'assemblée qui veulent faire un commentaire, partager une expérience heureuse ou malheureuse qu'ils ont avec l'impression 3D. On peut échanger si vous le souhaitez. Ce que je voudrais dire, et puis je terminerai là-dessus, parce qu'il va falloir que j'y aille aussi. Au niveau de l'impression 3D, le tout, c'est de… Moi, ce que j'implique aux étudiants, puisqu'on en a déjà discuté avec Stéphane ou Alexis, de par leur expérience, tout n'est pas fabricable en impression 3D, contrairement à ce que beaucoup de monde le pense. « Oh, faire une pièce, oh !» Ben, on l'a fait, parce que je dis aux étudiants. Une fois qu'ils récupèrent leur pièce, même sortie de fil avec Curap et avec tous les supports, sachant que je fais exprès de ne pas utiliser des supports hydrosolubles, hein, c'est mon côté un peu vicieux en pédagogie, se casser, se bouffer de la matière grise à une conception optimisée, ça aurait peut-être été bien. Quoi. Voilà. Parce qu'on estime actuellement que dans une pièce faite en 3D, la conception tient une part environ de 60% du boulot de fait. Quoi. Et je pense que ce n'est pas Alex Sillon qui dira l'inverse. Et puis quand je vois l'entreprise Technitube a fait l'impression d'une imprimante métal, ouais, je sais, ça fait plusieurs fois qu'ils disent qu'ils veulent venir à Sévenan, mais je les attends encore. Donc, ils sont bien les bienvenus. Il y a aussi… On a des problématiques un peu aussi similaires ici au Crutch Lab. Hein, on a beaucoup d'adhérents qui portent beaucoup d'espoir dans la reproduction de pièces cassées, choses comme ça en impression 3D, mais… Souvent, il y a un fossé à franchir et qui n'est peut-être pas d'ailleurs le bon fossé. Peut-être plutôt s'intéresser à d'autres technologies des fois. C'est comme tout. Oui. Après, on peut toujours tester. Pour des pièces extrudées, comme disait Alexis, des engrenages, des choses comme ça qui nécessitent une pièce de rechange. Moi, je sais qu'en arrivant à COM, je ne pensais pas que les polymères composites étaient aussi avancés. Là, on a une machine Markforge qui est montée actuellement en nylon chargé carbone. Quand tu commences à y mettre de la fibre de carbone, si ce n'est même que quelques couches, tu passes d'une pièce que tu plies comme ça avec les mains à une pièce que tu n'arrives pas à plier. Quoi. Ouais. Il faut prendre c'est impressionnant l'évolution des propriétés mécaniques et notamment la résolution. C'est,
si je la mets en 50 microns, tu ne dirais pas que c'est de la pression fil. Bon, la machine, elle vaut 80 000 euros. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est comme tout, entre une Ultimaker à 2005 euros et puis une Mark Forge, je ne fais pas de la pub pour le fabricant, mais une imprimante fil à 80 000 euros, c'est clair qu'il y a la visserie, la commande ou autre, c'est différent. Je pense que c'est là aussi où il y a tout un... une carte à jouer en fait entre l'entreprise qui va acquérir ces machines parce qu'elle en a besoin en interne et puis puisqu'elle va y trouver un intérêt et un retour sur investissement, et puis des tiers-lieux ou des collaborations avec des laboratoires qui ont eu la possibilité d'acquérir ce genre de machines et qui peuvent justement en faire bénéficier peut-être des personnes qui n'auraient jamais pu imaginer s'en servir, et ça effectivement c'est une grande chance qu'on a de pouvoir offrir ça dans les tiers-lieux. Voilà. Moi, je vais devoir vous laisser. Très bien. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre veut intervenir. En tout cas, merci à tous, à tous les intervenants. Merci à tous ceux qui sont venus écouter également. Merci de nous avoir proposé d'intervenir. On est là pour ça. Merci à vous, c'était d'une grande qualité. Voilà. Moi, je vais vous laisser. S'il n'y a pas d'autres interventions, je vous propose qu'on s'arrête là. Et puis, voilà. Je vous souhaite une bonne continuation. À très bientôt.